Bonjour les rookies, alors ici on a... Capitaine ? Oui Anderson, je suis disponible là. Ouais, si vous êtes dispo le boss ? Ok, j'arrive dans le bureau tout de suite. Ok, magnifique. Magnifique. Comme votre charisme. Hésite, ok Anderson. J'ai super mal au poignet en fait. En fait, je vous explique, mes doigts sont très fragiles. Parce que j'ai jamais trop fait d'activité manuelle dans ma vie, vous comprenez ? Depuis que je suis petit, j'ai oublié si je suis un putain de tic. Anderson, parlez plus fort. Ok, je vais toquer, je toque. Allez-y, toquez. Oh, sa merde. Il me faut un truc, il me faut un verre. Je m'entends pas, quoi. Capitaine, s'il vous plaît, j'ai trop mal aux mains. Allez-y, toquez, j'écoute. Ah, mais les gars, mon bureau, c'est du béton armé, frère. Ah, je me nique le dos. Ah. Vous savez pas toquer à une porte ? Non mais attends, frère. Eh, vas-y, la tête d'homme, vas-y, attendez. Non mais les gars, le problème c'est la matière de mon bureau, les gars. Le problème c'est la matière de mon bureau, en fait, c'est pas... capitaine ! Non. Ah ! Ah là, du moins, il a entendu, frère ! Oui. Non, toujours rien ? Bah non. Bon, c'est pas grave, rentrez. Ah, merci, capitaine. Putain, j'ai plus de poignets, j'ai plus de doigts, là. En fait, capitaine, je vais vous raconter une anecdote. Oui, ok. Dites-moi. Quand j'étais petit, j'étais tellement énervé que j'ai tapé contre un mur. Oui. Et après, après j'en ai laissé des séquelles. C'est-à-dire que là, maintenant, quand je tape même tout doucement dans n'importe quoi, j'ai mal aux phalanges. Ok, mais je savais pas, garçon, je savais pas. Mais au pire, vous pouvez toquer avec votre main. C'est pas une anecdote chère, là. Ouais, mais. Vous avez mis les deux points dans le mur, en fait. Ouais, j'étais énervé comme ça, les deux points dans le mur. Vous avez fait un cosplay King Kong, en fait. Ouais. Bon bref, et du coup vous vouliez me parler de quoi Anderson? Oui, du coup en fait mon capitaine, c'est sérieux en fait. Là c'est sérieux. Okay, oui, mais je vous écoute Anderson. Déjà j'ai découvert un autre virus au sein de l'SPG. Non. Ouais, déjà de 1 pour commencer. Il est où le virus? Il est sur quel PC? Il est sur le PC, vous voyez, quand vous rentrez direct sur votre droite. Sur le du 5ème là? Ouais, du 5ème. Mais comment, c'est quoi le virus? Mais j'ai réussi à le démanteler. Bah en fait démantelé. C'est le virus, il faut que je réfléchisse un peu parce que je m'en rappelle plus trop. Oh putain les gars, trouvez-moi un ensuite. Réfléchissez, allez-y. C'est le virus Tintin. Tintin? Tintin. Non, pas Tintin, le Tintin dessin avec animé. La Non, c'est Tintin. Tintin. En fait c'est T-A-I-N. Tintin. Ah. Voilà. Tang. Voilà, c'est le virus Tang. 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 Ok. Et le problème, c'est que ce virus, il est boum. Après, il est facile à supprimer. Voilà, j'ai réussi à le supprimer. Du coup, il reste que le dernier PC. Je pourrais vous le montrer rapidos à l'occasion. Et ensuite, aussi, c'était un deuxième sujet très important. C'est concernant ma carrière au LSPD, capitaine. Ok. Allez, je vous écoute. En fait, voilà, depuis la mort de Milano, notre capitaine paix à son âme, repose en paix, stay safe, to protect and to serve, end of watch. Eh bien, l'enquête sur les balas, elle avance plus trop, comprenez, l'enquête sur laquelle on avait mis, et j'ai même plus aucune nouvelle de ces balas en question. Bien sûr, oui. Du coup, moi, en plus, depuis ma mise à l'écart de la GND, j'ai l'impression d'être moins investi au sein du LSPD, comprenez. Oui, de plus, capitaine, ce qui s'est passé là il y a trois jours à peu près, c'est que vous rappelez l'avertissement que j'ai pris là pour la bavette. Bah oui, c'est moi qui vous l'ai mis, ouais. La bavette. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les sergents, en gros, ils me l'ont mis sous forme de blâme parce que j'aurais soi-disant. Bon, ça par contre, ça je suis pas d'accord, vu que en fait, j'étais sur l'opération où c'est qu'on avait neutralisé le OG des Families. Et suite à ça, du coup, j'ai dû aider. Je suis allé épauler en gros une autre unité à un moment, une autre fusillade, pour amener les individus à l'hôpital parce qu'ils étaient en sous-effectif. Mais je n'étais en aucun cas sur cette opération. Vous aviez annoncé un 10-19 des opérations qui étaient sur l'opération du Familis pour faire un débrief et éventuellement un suivi psychologique, chose que j'ai respectée. Et les superviseurs ont noté ça comme un dodge de procédure. Voilà, et du coup ils m'ont blâmé. D'accord. Mais je l'en veux pas. En gros, je l'en veux pas, c'est pas grave. Moi, je pense surtout que c'est l'avertissement qui est pas passé auprès des sergents. Et du coup, ils me l'ont mis sous forme de blâme. Je pense que la vraie raison, c'est ça. Maintenant, c'est pas grave. Ouais, je pense. Maintenant, c'est pas grave. C'est pas grave, je respecte.
Seulement le problème, c'est que là, j'ai deux blâmes, capitaine. Là, J'ai oui, deux là, blâmes. vous avez deux blâmes, en effet, oui. Deux blâmes. Et si jamais j'ai le malheur d'avoir un troisième blâme pour n'importe quelle connerie, C'est la porte, c'est la porte. oui. C'est pour ça que je vous ai pas mis un blâme à la base, hein. Ouais, je Je vous sais, ai mis un capitaine. Je avertissement. sais. Sachez ce que vous avez fait, ça méritait un blâme, Je normalement. sais, je sais, mais j'ai pris mon blâme, c'est pour ça que j'ai pas plus bronché. C'est-à-dire que je me disais, en vrai, c'est mérité. Voilà, j'ai fait le con, j'accepte. Maintenant, le problème, c'est que j'ai deux blâmes, capitaine. Et que Aïe. j'aime mon métier. Aïe, bah écoutez. J'aime ma plaque. Je Et vous vous aime savez ce aussi un peu, que. capitaine. Bah écoutez, Anderson, ça me fait plaisir que vous me disiez ça, parce que moi, c'est vrai que je vous aime quand même beaucoup aussi, donc ça me fait plaisir de savoir que c'est réciproque. Hein. Oui, mais Enfin, non, ouais, mais je écoute, parle. Après, professionnellement, comme j'aime. Enfin, c'est. Mettons, vous êtes un donut glaçage framboise, vous voyez, j'aime quoi. beaucoup les donuts glaçage framboise, vous voyez, je Ouais. croquerai bien dedans. Ouais, vous êtes pas vraiment un What? donut, mais je croquerai pas dans vous. Mais enfin, je vous aime bien comme un donut framboise, mais sauf que je croquerai. Enfin. Fuck? Ok, capitaine. Je vois. Enfin, bref. Non, mais. J'aime bien les cornets de glace aussi. Oui, les glaces de boules, tout ça, c'est vrai que c'est pas mal. On peut faire Putain, des oh là associations, là, chocolat pistache, vanille oh caramel, tout ça, là tout ça. là, oh là C'est vrai que moi j'aime bien lécher les boules, mais après, le là problème c'est que, voilà, ça doit rester un peu discret, ok? Donc, là le problème c'est que Anderson, vous avez deux blâmes, mais Oh chien! qu'est-ce que je peux y faire en fait? Écoutez, capitaine. J'ai pris une décision. Ok, Ça me fait dites-moi. vraiment mal de le dire Vous ça avez peur comme quand ça. même que de quoi? Non, Ouais? capitaine. Non? Oui? Je refuse de me Non? faire virer du LSPD. Parce que mon père m'a toujours dit un truc, mon fils. Sois digne. J'ai donc ramené ma plaque du LSPD avec moi, capitaine, là aujourd'hui. Mais non. Je la pose là sur le bureau. J'ai écrit quelque chose derrière la plaque. Lisez-le. Mais vous foutez de ma gueule, Anderson, ce que vous avez écrit? Non? Prank-aide! Oui, il était un peu nul votre prank quand même, hein. Sérieux? Pas... Bon, il Ah était pas en non! vrai. Non, il était pas foufou. Il était pas foufou. Ah Voilà. ouais? Putain, Ouais, mais en j'ai vrai. essayé de m'apprendre de mon maître, de mon disciple. Ouais. Non, mais je vous apprendrai. Ça me paraissait bizarre que vous veniez démissionner comme ça, alors que vous me disiez avant que vous aimiez le LSPD, votre travail et tout. Bon, Putain. ça me paraissait un peu gros. Non, honnêtement, hein, honnêtement. Ok. Après, non, mais pour l'effort, voyez, voilà, je vais pas déverser tout ce que je pense sur vous. Là, voilà, je vais fermer un petit peu les vannes, fermer C'est le un robinet à bâtard. reproches, d'accord? Et je vais vous dire que c'était pas trop mal. Ok, pour un premier. Allez, pour un premier, c'était pas trop mal. Ok, capitaine. Bon, du coup, je vais vous dire. Merci en tout cas. Merci pour l'avis TripAdvisor. Oui, non Du coup, je vais mais vous du coup, ce dire. que je vais faire, c'est que je vais Oui. garder votre plaque. Voilà. Quoi? Bah oui, parce que quand on démissionne, Anderson. On peut pas pranker quand on me donne la plaque, je la garde. Putain, il me counter le bâtard. Là, c'est tout. Vous déposez votre plaque, Anderson. Si vous voulez que je fasse, que je vous la Non. rende. Le capitaine, c'était un prank. Non, mais on ne prend pas avec la plaque, en fait, Anderson. Non, mais capitaine, je pense. Mais vous faisiez des pranks, vous? Oui, mais pas avec la plaque, Anderson. C'est comme si je mettais le feu au drapeau américain et je disais, bah non, prank-aid. Bah non. Non, mais capitaine. Non, Anderson, bah non. Là, vous Non. déposez la plaque sur le bureau. L'action de déposer la plaque sur le bureau, c'est une démission. C'est sacré, Anderson. C'est pas vrai. C'est. Bah si, c'est vrai, si. Donc Si. là j'ai démissionné là. Bah là, vous avez démissionné, oui. Mais non. Donc Et je maintenant, peux si pas vous annuler voulez ma démission? réintégrer. Ah bah non, Anderson, si vous voulez réintégrer le LSPD, vous devez attendre la période probatoire. Mais Ensuite, non! vous recandidez. Ah si, vous recandidatez. Et voilà. Attendez, c'est Et je serai sacré, rookie? Anderson. Ah ben non, vous serez à la limite officier hein, si vous nous faites un petit dossier de candidature, voilà. Un dossier en plus? Ah bah Putain, oui, moi faut je nous faire déteste les un. dossiers. Ah bah oui, hein, écoutez, bah à la limite, vous me faites un mail, vous faites pas un dossier, vous me faites un mail, Mais je déteste les bonsoir, mails. Capitaine Saga d'Opéra Alès. Non, moi, capitaine, j'aime pas les mails. Moi, j'ai pas de mail. Moi, j'ai rien. Ah, Moi, vous j'ai avez pas rien de du mail. tout. Mais vous me faites une lettre manuscrite alors. Je peux vous envoyer un Oui. texto, capitaine? Ouais, à la À la limite, ouais, à limite, la ok. limite. Ah là, vraiment à la limite, quoi. Vraiment. Mais vous devez attendre quand même la période probatoire, Anderson. Capitaine. Putain. La période de 3 mois, hein, d'ailleurs. C'est fini, je fais plus jamais aucun prank. Ah Trois mois? bah. Ah oui, 3 mois, oui. Mais non.
Ah Comment bah je vais si. manger pendant 3 mois? Je serai à Bah la à rue, mon capitaine. avis, bah aller travailler au Burger Shoot. Burger Shoot. Bah oui, vous mettez, vous savez, vous flip the burger là, vous faites ça. Vous allez flip des burgers pendant 2-3 mois là, et puis après vous revenez. J'ai pas envie d'aller flipper des burgers au Burger Shoot. Bah il fallait réfléchir avant de déposer votre plaque, Anderson. Non, non, mais capitaine. Poussez-vous, capitaine. Rendez-moi cette plaque. Non, Mais mais rendez-moi non, cette. non, Mais non, rendez-moi cette non, plaque. Mais non, rendez-moi ma plaque, capitaine. non, Mais non, arrêtez. non. Mais capitaine. Bah écoutez, vous l'avez Mais déposé au burger, rendez-moi. donc Mais sur rends la la plaque, plaque. non. Mais Non, je capitaine, la rends la garde. plaque. Non, je la garde. Mais rends la plaque aux officiers. Ah, Oh. oula. Ça va, Anderson? Je crois que vous avez la voix cassée un peu là. Ah, pardon. Ouais. Non mais Non, je garde oh. la plaque. Non. Ah, Non, je garde la capitaine. plaque. Regardez. Je vous ai déjà montré un tour de magie. Regardez, je vais vous montrer un tour de magie, Anderson. Allez, Putain. regardez. 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 Regardez la plaque là. Vous la voyez la plaque? Regardez. Vous la voyez? Regardez. Capitaine, vous êtes un monstre. Vous la voyez ou pas? Ouais, je le vois. Regardez. Je vais faire un tour de magie là. Regardez. 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 Ouais, je Et le vois. hop, regardez, regardez, vous la voyez, vous la voyez, Ouais, je la vois, vous la la voyez, plaque. vous la Je la voyez, vois, vous la voyez, 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 Je la hop, vois. vous la voyez plus. Alors? Ah oui, non mais Anderson, c'est ça votre problème, c'est que vous faites des actions mais vous réfléchissez pas avant. Vous réfléchissez pas. Hop. Comme ça. Bon bah écoutez Anderson, bah, je suis désolé. Hein. Non mais je suis vraiment désolé Anderson, je suis désolé, je sais que ça vous fait de la peine et tout, mais écoutez, vous devez apprendre Vas-y, je à vais jouer avec mes couilles, respecter les gars, ils voilà, vont choquer. les rites sacrés. Je suis désolé, mais déposer la plaque sur le bureau du capitaine, c'est un rite sacré. D'accord? C'est Vous entendez sacré, pas? c'est voilà, c'est Vous ancré dans entendez les ce qui codes du arrive? LPI. C'est ancré dans les codes du LPI. Vous entendez Déposer ce qui cette arrive? plaque égale démission. Donc je suis désolé, hein. Non, à part Flip the Burger. Bah, postuler où elle est SSD, hein, je sais pas quoi vous dire. Capitaine, rendez-moi la plaque. Mais qu'est-ce que vous foutez, Anderson? Qu'est-ce que vous foutez? Excusez-moi, je me suis emporté, désolé. Vous voulez un troisième blâme ou quoi, Non, 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 Anderson? capitaine, non, c'est bon, c'est bon. Mais s'il De vous toute plaît. façon, vous êtes viré, donc enfin vous avez Quoi? démissionné, donc. Ah, bah, donc là, j'ai démissionné, c'est ça? Oui, là vous avez démissionné. Donc là, si on se bat dans le bureau du capitaine, là. Je veux dire, moi, je risque pas ma plaque, ça veut dire. Mais bah c'est une agression sur argent, du coup vous aurez un casier, du coup vous pourrez plus jamais revenir au LSPD, ouais bien vu. Ok, bah je vais juste partir, d'accord, capitaine. Et on se revoit dans 3 mois. Oui. À plus Anderson. Au revoir, capitaine. Je pensais qu'on était sur une relation de confiance. Bah je sais, moi aussi je pensais, mais malheureusement vous avez pas réfléchi. Adieu. Je vais au Adieu LSSD. Anderson. Bah allez, allez. Allez, oust. Bah, vous me retenez même pas en plus? Ben non, vous avez démissionné. Moi, ça me fend le cœur que vous démissionniez, Anderson. Ben oui. Putain, mais les gars, il est long, prank, là, c'est Vous allez normal. me manquer, Anderson. Mais les gars, il est grave long, le prank, là. Attendez, j'ai oublié de vous rendre une plaque. Les gars, il est long, le prank, là, non? Tenez, j'ai oublié cette plaque, je l'avais sur l'autre poche. C'est quoi? C'est Ah. la plaque du FC Clown. Ah Ouais, oui, ah je oui, non, démissionne aussi celle-là, là-dessus. vous l'avez bien représenté, ça. Ouais. C'est bon, Vous ça fait l'avez. 8 mois que je la porte, cette plaque. Vous J'en ai marre, voulez que ça je vous j'arrête. raccompagne? Ça va aller, je vais rentrer seul, capitaine, ça y est. Ça marche. Allez, bonne soirée, Anderson. Au revoir. Le gars, c'est normal, il me retient pas là. 54. Chouchou. Wesh, les gars, vous êtes en train de me faire flipper. Oui, Anderson. Allô? Mais vous pleurez, Anderson. Mais ne pleurez pas, Anderson. C'est vous qui avez démissionné, Anderson. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, C'est Anderson. horrible! C'est Bon, horrible! écoutez. Bon, Anderson, écoutez. Venez au bureau, là. Venez au bureau. Venez au bureau. C'est très important, Anderson. Venez au bureau, venez au bureau. Non, vous parlez plus, capitaine! Non, mais c'est. Écoutez. Je Non, mais écoutez, Anderson, c'est très important. Vous voulez venir déposer votre matériel vous-même? On vient le chercher et on fait une descente chez vous. Alors, J'arrive, j'arrive, Anderson. j'arrive. Je vous attends au cinquième, dépêchez-vous. Ton
Vas-y, monte, arrête monte, toi, monte. J'ai été, tu t'arrêtes. Monte, monte, monte. Arrête-toi. Vas-y, monte, monte. Vas-y, non, je suis fixe. Je suis fixe. Allez, sors de là, sors de là. Allez, descends, allez. Il est arrêté, c'est bon, il y a Anderson qui était là. Allez, sors, sors. Les mains en l'air. Allez, sors, j'ai de la police. Sors contre le véhicule. Dépêche-toi. Ah ouais, mon pas de bol. Je te jure, je vais te sortir. Allez, contre le véhicule. Allez, bon courage, les collègues. Bisous. Eh, merci. Bouge pas. Ouais. Allô. Quoi? Il se passe quoi, Coy? En fait, j'ai voulu faire un braco capitaine. Ouais. T'es avec Santana là? Non, je suis tout seul. Ok. Appelle Santana, préviens-le. Ouais. Je lui réduis à l'SPD, je suis plus de plaque. Pourquoi? Tu lui dis que là, je veux pas rentrer à la maison parce que j'ai plus d'oseille. Je peux plus assumer le loyer. Bah pourquoi tu dis à Sam que je l'aime? Tu dis non, à Sam. Non, ta gueule. Tu dis à Sam, tu dis à Santana que je m'en veux pour hier. Et que c'était ma mère sous. Ouais. Salut. T'es où? Mais cette version est sage et caillant dans ça. C'est quoi cette messagerie? Ouais, sans rire de perroquet, frère. Allez, Inch'Allah, c'est un putain de prank. Allez, dis-moi que c'est un prank. Allez, c'est bon, la blague a assez duré. S'il te plaît, dis-moi que c'est un prank. Allez, dis-moi que c'est un prank. Pas l'air d'aller, monsieur. Oh, t'inquiète, ça va, moi. J'imagine que tu parles à quelqu'un qui gueule comme ça. T'es là, tu parles à ton collègue, vite fait. Qu'est-ce qui va pas? En fait, j'ai démissionné du LSPD. Sauf que c'était un prank, tu vois, je voulais faire une blague au capitaine et il veut pas me rendre ma plaque. Oui. Donc je me suis viré, j'ai l'SPD tout seul. Récupérer un carter de... Allô. Bon, vous êtes où, Anderson? Je suis au quatrième, les marches sont tellement longues. Allez, courage, vous allez y arriver, Anderson, vous allez y arriver. C'est une épreuve de la vie, malheureusement, chaque marche, c'est nécessaire. Chaque marche me rappelle une patrouille dans ma carrière. Oh. L'opération GND, oh, quand je me suis fait virer de la GND, oh, quand j'avais tapé une vache, oh, quand j'ai levé en stinté, oh, quand j'ai fait la formation moto sans casque et pendant que les formateurs ils sont partis, je faisais des stunts. Oh, attendez, je vous rappelle. Ça, les gars, je fais 4 conneries par jour aussi, moi. Mon ref, mon taux de conneries, il est énorme, frère. Mon ratio de conneries, il est extraordinaire. Je toque pas. Ah, vous êtes sûr, vous toquez pas? Ok, je vais toquer. Frère, c'est un bâtard, il me fait toquer alors que j'ai mal aux mains. Ouais, t'es. Ah, j'ai. Allez, vous faites pas mal. Allez-y, rentrez. Aïe! Allez, rentrez. Je vais pas répondre. Bon, Anderson, on a oublié quelque chose de très important quand même. Qu'est-ce qu'on a oublié, Anderson? Mon équipement. Ah ouais, c'est en un mot. Bien vu. Alors du coup, ce que je vais vous demander, c'est de me rendre tout votre équipement. D'accord? Putain, c'est un bâtard, frère. Voilà le prank qui est trop long, frère. On va le récupérer une fois que vous réintégrerez. Non mais donnez-les-moi en main propre, là. Vous avez pas tout posé, là. Non mais attendez. Vous avez tout posé là? Putain.
Oui, ok. Bonne soirée, capitaine. Non, attendez, 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 on n'a pas terminé. Ok. Ok, ok, ok. Vous oubliez pas quelque chose là, Anderson? Vous avez pas oublié quelque chose, Anderson? Oubliez quoi encore? J'ai plus rien. Je vous dois plus si, rien, si, capitaine. Avez... Je vous jure que vous avez encore quelque chose qui nous appartient. C'est quoi, Fred? C'est ma gueule, quoi. Je sais pas de quoi vous parlez. La radio, Anderson. Oh le bâtard. Oh le bâtard, frère. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Je serais allé dire franquette. Ok. Ok, parfait. Parfait. Bon, écoutez, Anderson, j'ai réfléchi. J'ai longuement réfléchi, Anderson. Vous m'écoutez ou pas? Ouais. Vous pourrez repostuler, d'accord? Et vous pourrez repostuler d'ici un mois. D'accord? Par contre... Putain, mais le prank est trop long, frère. Si c'est un prank, c'est trop long. Vous réintégrerez en tant que rookie. Désolé, mais... C'est le prix à payer. Voilà. J'ai une question, capitaine. Dites-moi. Vous pensez vraiment que je vais revenir? Mais vous voulez que je réponde honnêtement ou pas? Merci mon pote, pour le prêt. Réponde honnêtement. Honnêtement, j'aimerais bien. J'espère en tout cas. Franchement, je suis triste. Malheureusement, vous devez comprendre que c'est la procédure et que je ne peux pas faire autrement. Vous comprenez, Anderson? Je ne peux pas faire autrement. Comment je vais expliquer aux autres, Captain, que j'ai pas respecté la procédure? Comment je vais expliquer ça? Je peux pas, Anderson, je peux pas. Moi, ça me fend le cœur, hein. Je suis vraiment désolé, je suis ça dégoûté. Je suis tout aussi dégoûté que vous, croyez-moi. Parce que je vous ai dit, hein, vous êtes un peu mon padawan. Je suis un peu, voilà, votre mentor, machin, je vous ai un peu pris sous mon aile. Je vous ai réconforté, je vous ai fait un câlin. Voilà, vous êtes un peu comme mon fiston. D'accord? Mais là, vous avez déconné, Anderson. Vous avez déconné. Vous avez terminé, capitaine? Mais écoutez, vous avez rien à ajouter? J'ai rien à ajouter. Écoutez, je ne pleure plus maintenant, capitaine. Mais je veux pas vous voir pleurer, Anderson. Non, je ne verserai pas une larme. Merci. D'accord. Pour votre service, merci pour tout, capitaine. Écoutez, je suis vraiment désolé, Anderson. Non, c'est pas la peine de vous excuser, capitaine. Du fond du cœur, mais malheureusement... C'est pas la peine de vous excuser, capitaine. Je comprends. Oui, je comprends. Écoutez, j'espère que vous ne m'en capitaine. Voulez pas. Malheureusement, c'est mon travail de respecter les procédures. Donc, malheureusement, je fais mon travail. Je vous comprends, capitaine, je vais y aller. Bonne soirée. Allez-y. Bonne soirée à vous, Bonne Anderson. Continuation. Bonne continuation, Anderson. Putain. Vous êtes un bon gamin, Anderson. 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 Capitaine, on a dit tout ce qu'on avait à se dire. Je vous souhaite une bonne continuation, moi je vais rentrer chez moi. Ouais, j'aimerais vous dire une dernière chose, Anderson. Je vais terminer sur une citation. Non. De ma création, non. D'accord? Non. Oh non, 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 attendez. Encore mieux. Non. Attendez. Non. Vous me laissez 10 secondes, là? Attendez. Parce que là, je réfléchis, capitaine, attendez. Est-ce que vous comprenez dans quel état, dans quelle situation je suis actuellement? Oui, est-ce oui, que non, vous, attendez. Est-ce que vous, l'homme en face de moi vient de me... prendre ma plaque, capitaine, alors que j'avais des affinités avec lui, alors que je m'entendais très bien avec lui. Ah mais c'est... Attendez, c'est pas moi qui ai pris votre plaque, c'est vous qui me l'avez donnée.
C'est vous qui l'avez pas rendu. Mais c'est pas grave, oui, comme je vous ai dit, c'est pas grave. Je vous ai dit, c'est la procédure, malheureusement. Capitaine, maintenant, je veux pas qu'on se justifie, d'accord. D'accord. C'est pas grave, je comprends votre décision. Maintenant, laissez-moi partir, rentrer. Mmh. D'accord. Je vais écoutez, je vais juste terminer là-dessus. Ne pranquez jamais le maître des pranks. Dire personne. Oh putain. Oh putain. Quel prix qui croyait prendre. Oh putain. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Prankid. Prankid. Oh putain. P-R-A-N-K-E-D. Prankid. Oh putain frère. Je vous ai roulé dans la farine. Oh, ça a été le meilleur prank de... C'est fui. Ça a été le meilleur prank qu'on m'ait jamais fait de toute ma vie. Allez, putain, vous, vous avez voulu tester le boss. Mon cœur il s'est arrêté de battre, capitaine. Mais lui, donc, Oh putain. Oh putain. Oh putain. C'est bon, c'était un prank. Oh putain de merde. On est venu. La rose j'ai, j'ai appelé tout le monde. J'ai appelé Gandalf, Santana. Le prankeur pranké. Vous voyez pourquoi on prend pas d'album. Oh putain. Oh putain de merde, attendez. Attendez parce que j'ai eu chaud deux secondes, j'enlève un peu ma veste là. Allez-y, allez-y. Les gars, la tête d'homme, j'ai eu chaud hier elle. Je me suis dit mais frère, si je verrais les speed, je vais faire quoi maintenant. Je veux dire le leur mini sous lui-même faire son truc, tu vois. Ça va mieux. Putain quel bâtard frère. Est-ce tous ceux qui étaient complices du piège là, allez vous faire foutre. Eh tous ceux qui étaient complices du piège là, qui ont mis le sondage et tout. Allez vous faire foutre. C'est qui dit ouais j'ai vu sur son live, il était archi sérieux. J'avoue que je suis peut-être allé un peu loin mais. On va aller chercher là, on va aller chercher. Oh putain. Ouf. Oui non mais voilà. Là vous êtes. Vous avez oh là 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 là. D'accord, vous avez voulu me tester. Non mais apprends à quel point capitaine n'en prend pas là-dessus, sérieux, j'ai cru que j'allais faire une connerie, j'allais braquer une banque. Bah, en effet. On prend pas là-dessus Anderson. En vrai je m'en doutais un peu dans le fond. Dans le fond, je m'en doutais. Mais en fait, plus le temps passait, plus c'était sérieux, en fait. Et plus oui, c'était long, et d'habitude, vos pranks sont pas aussi longs, capitaine. Mmh. Oui, je sais bien. Mais là, c'était pour vous faire comprendre, parce qu'on rigole pas avec la plaque. On rigole pas. Ah non, mais c'est terminé, je vous ferai plus jamais un prank, capitaine. Non, mais vous pouvez c'est faire mort. Un prank, mais pas avec la plaque. Vous rigolez pas avec ça. D'accord. Ok, ok. Ok, capitaine. J'ai retenu la leçon. Je vous rends votre plaque. Prenez-en soin de votre plaque, quoi. Oui, capitaine. Ça fait de blâme. Moi je veux pas pouvoir partir d'ici, ok. Ah non, pareil, capitaine. Mais du coup, le sujet de l'entrevue, c'était ça, justement. C'était de pour me faire retirer mon blâme que j'ai pour la vachette, là. Que j'ai même pas tapé, en vrai. Oula, bah ça, faut faire une demande auprès des superviseurs qui vont nous remonter. Ou alors, vous faites une demande directement et. Bah non, moi, les superviseurs m'ont dit d'aller voir les capitaines, justement, directement, le commissaire. Oui, soit vous. Oui, bon, bah écoutez, dans ce cas-là, vous nous envoyez un mail. Je peux vous faire des aveux de 64 ? En gros, 64 ne m'aimait pas au début. Ouais, Gomez, 64 ne m'aimait pas au début du LSPD. Oui. Du coup, elle était ranger et elle m'a volontairement embarqué comme quoi j'avais tapé une vache alors que je l'avais pas forcément vraiment fait. Et du coup, elle a appelé la police et les autres m'ont embarqué quoi. Du coup, j'ai été blâmé là-dessus. D'accord. Alors qu'en réalité, c'est rien passé quoi. Ok. Du coup, voilà. Je pense que le blâme peut sauter et en plus, ça date d'il y a un mois et demi ou deux mois. D'ailleurs, quelle connasse, hein. Ouais, mais je savais pas que Gomez était chez les Rangers. Là. Ouais, elle l'a fait une fois. Elle m'a fait blâmer et elle a plus jamais refait. D'accord. Voilà. Merde. Ok. Bon, écoutez, je vous rends votre équipement là, mais oubliez pas, vous ne faites pas de monde, d'accord. Ok. Putain, non, par contre, vraiment, j'ai vraiment chialé, capitaine. Votre tenue. Oh, ouais, j'ai vu. C'est mérité, vous avez voulu me prank. Eh ben voilà. Putain. Et ouais. Mais fallait pas tester le boss. Ouais, mais je veux dire, moi, je vous ai pranké sur ma démission. Vous m'avez pranké sur ma démission. Ah bah ouais, c'est la même en fait. Bah ouais, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Bien vu. Ouais. Attendez, ça, radio. Ah putain. Et... Vous avez pas un mouchoir s'il vous plaît, j'ai beaucoup de morve qui sort du pif. Oui, tenez deux secondes. Merci. Parce qu'en fait, moi je suis ultra émotif, c'est-à-dire que quand je chiale, et quand j'ai de la morve, j'en ai vraiment beaucoup. Si ça me dégoûte. Ah, ok. Ça me dégoûte. Allez, mouchez-vous. Ça va mieux, merci. Tenez le mouchoir. Ouais, pas de problème. Ouais, non, il y a une poubelle à côté. Okay. Jetez la poubelle. Ok, je pense que je vous ai tout rendu là, vous pouvez vérifier.
Ouais, du coup, j'ai mon Kuglo, j'ai char. J'ai mes notes. Ah bah attendez, attendez, vous m'avez donné combien de chargeurs? J'ai des bastos, 30, 32 bastos. 30, pourquoi 32 personnes? Parce que c'est la capacité de mes chargeurs. D'accord, c'est des chargeurs de combien, Anderson? Bah en fait, vous faites 8 x 3. 8 x 3. Ça fait 32, ça. 12, 12 x 3, 12 x 3, pardon. 12 ouais, x 3. 12, ouais, 12 x 3, ça fait combien? 12 x 3, 32. Ouais, bien vu. Ouais. Merci. Prenez votre téléphone là, calculez 12 x 3. 12 x 3 Je sais plus si c'est 8 x 4 ou 12 x 3. C'est combien déjà le vrai truc? Vas-y, non mais faites 12 x 3 parce que. Ma calculatrice. 12 x 3. Ah, attendez, parce qu'elle déconne. Elle m'a donné 36 moins 4. 32 tout pile. Ouais, voilà. Il vous manque 4 balles là dans mon chargeur. Ah ouais? C'est des chargeurs de 12, bien vu. Ok, bah ça marche. Bah je rajouterai 4 bastos du coup. Voilà, vous en rajouterez 4. Ok, Captain. Oh putain. Excusez-moi là, ça va mieux. Il faut que je reprenne mes esprits là. Oh putain, oh le prank, sérieux. Oh, comme on dit chez nous à Hawaï, oh le prank de bâtard. Nous on dit un giga prank de bâtard, tu vois. C'est comme ça qu'on dit chez nous à Hawaï. Ok, mais c'était un giga prank de bâtard. Ouais, voilà, c'est ça, capitaine. On était, on était. Un vénère giga prank de gros bâtard. Ouais, désolé, oui, moi j'arrête un peu, désolé. Quand même, attention. Mais bien okay, vénère, bon. Hein. Ok. Ouais. Ah, oui, non, mais bien vénère, sa mère là. Oui, ah, ouais, là, franchement, il était bien vénère le prank. Oui, le prank. Ah, oui. Le que prank. Vous avez bien retenu la leçon, c'est bon? C'est bon, j'ai retenu la leçon, capitaine. Terminé, plus jamais je fais des blagues sur ma plaque. Et du coup, ouais, je vais m'occuper aussi de vous faire une petite lettre pour le blâme. Comme ça, oui, bah, je suis blâme, safe quoi. J'ai le droit à une connerie. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand je me dis j'ai le droit à aucune connerie, et ben en fait, j'arrive pas à être bien en fait. Oui, vous n'arrivez pas à être serein. C'est ça, bien, j'ai un mal-être. Écoutez, je vais devoir y aller, capitaine, parce que là, j'ai dit à tout le monde que j'étais viré. Santana, Gandalf, Sam. Oh, mais non. Ils doivent être en train de s'inquiéter à mort, du coup, là, je vais aller les rassurer. Non mais capitaine, j'ai cru, mais vraiment, hein. Quand je vous dis que c'était un prank bien vénère, il était bien vénère le prank. Bref, j'y vais, je vais aller les rassurer. Oui, allez-y, allez les rassurer, dites-leur que c'était, voilà, c'était... Attendez, parce qu'il faut que je repasse ma messagerie, faites pas gaffe, capitaine. Allez-y. Allô, vous êtes bien sur la messagerie, Kyle Anderson. Laissez un message après le bip. T'as changé ta messagerie, hein, entre-temps? Tu fais pitié. Et oh, le mec il pleure. Ça m'a laissé quoi comme message? Non. Eh oh, le mec il pleure. Oh, tu fais trop pitié, la honte. Mais qui vous a laissé ça comme message? Santana. Vous voyez ce que vous me faites faire, capitaine? Ah ouais, non, c'est grave. Oh, non, franchement, votre prank était vraiment vénère. Oui. Genre, écoutez, vraiment. Oui. Vous avez voulu me tester, Anderson, malheureusement. Non, mais c'est bon, j'ai dû riposter. J'ai dû riposter. Ah, plus jamais. Bon, écoutez, capitaine, je vous serre la pince. Oui, je vous serre la pince. Oui. Vous êtes le meilleur, capitaine, changez jamais. Je peux faire un bisou aussi, sur votre tête ou pas, sur votre crâne? Non. Ok, bah venez alors, je vous montre rapidement le viris time. Ah, oui, allez-y, montrez-moi d'ailleurs. Alors, si j'ai pas de conneries, ouais, c'est celui de gauche là, hop. Vous avez toutes les tenues dispo, quoi. Vous arrivez et puis vous prenez. Ok, alright. Alors, du coup, il y a plus que lui qui est infecté, c'est ça? C'est ça, c'est le dernier. D'accord. Et ok. Voilà, identifiant. Tac. Connexion, Kyle Anderson. Voilà, je me rends ici. Il faut lancer Fortnite, c'est la manip, hein. Voilà, tac. Mais pourquoi Fortnite est installé sur ce PC? C'est pas un PC de boulot normalement? Non, mais c'est pas grave, je verrai avec les agents. Ensuite, il faut fermer Fortnite. Il faut ouvrir un pop-up. Ok. Et là, normalement, on attend quelques secondes. Et je crois qu'il y a un autre pop-up qui arrive. Et là, ça part, je crois. Attendez. Ah, c'est quoi? Là, le PC s'éteint. Un pop-up, en fait, c'est quand il y a un. Ah oui, c'est ça un pop-up. Ouais, c'est ça. Un pop-up, c'est ça. Ouais. Oui, c'est time. Oh,
j'éteins. Bah du coup en fait pour l'effacer faut juste pas lancer Fortnite tout simplement. Faut désinstaller Fortnite, c'est tout aussi simple. Voilà. Oui, bah oui. Voilà voilà. Et du coup elle est bien vénère le Tank Tank. Dans une salle de musculation. Donc ça c'est le Tank Tank. Ça c'est le Tank Tank ouais. C'est le Tank Tank. C'était le dernier du coup, il y aura juste à désinstaller Fortnite et puis ça sera good. Voilà voilà capitaine. Magnifique. Voilà sur ce je vous laisse capitaine et bravo pour ce prank bien vénère. Bravo. Ouais merci. Franchement vous êtes vraiment bon. Bravo capitaine. Bisous, je file. Bisous capitaine. Bisous. De faire les de travailler les quadrilles. Oh le god frère. Tout se fait ici. Eh capitaine bonjour. Et puis ici une petite salle de repos. Petite salle de repos avec. J'y vais hein. Vas-y, tu sais quoi, je prends Kessantana. Allô. Allô. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as la sauce house. Non, mais qu'est-ce que t'as? Mais il t'a pas dit Gandalf? Oui, si, mais... Je sais pas, tu peux le reprendre, non? Je me suis arrangé avec le capitaine, il m'a dit un mois, mais par contre, je dois repasser Rookie et tout. Normalement, mais c'est non. 3 mois. Je suis dégoûté, je te jure, j'arrive à peine à parler. Puce sa mère. Vas-y, donne-moi le numéro du capitaine, là, je vais aller le voir. Vas-y, viens, je suis à la house. Vas-y, j'arrive, je prends un moteur, j'arrive, la vie de ma mère, ça va pas se passer comme ça. Kyle. Quoi? Kyle. Quoi? Vas-y, viens, assieds-toi. C'était chaud. C'est qui t'a... C'est quel capitaine? Vas-y, je vais te raconter toute l'histoire. Vas-y. En fait, je t'explique, tu vois. Avec le capitaine Perales, à chaque fois, on se faisait des pranks. C'est tu vois. Qui ça? C'est 05. Ah. C'est un chauve. À chaque fois, on se faisait des pranks, tu vois. Il me faisait des pranks, je lui faisais des pranks, avec ça, on faisait des pranks. Mm-hmm. Et là, aujourd'hui, tu sais, vu que j'avais 2 blâmes, je suis allé le voir pour qu'il m'enlève 1 blâme. Comme ça, ben, en fait, parce que 3 blâmes, t'es viré, je l'explique. Ah, ok. Ok. Hop, stream deck. Putain les gars, attendez, faut que j'avance, faut juste que je baisse un peu la musique. Ok, continue. Là, désolé, j'ai du mal à parler un peu. Et après en fait ce qui s'est passé c'est que putain, ça me casse les couilles, tu peux pas savoir. Oui mais faut continuer là. Bref, après ce qui s'est passé c'est que moi tu vois, pour lui faire une petite blague, parce qu'à chaque fois on fait des pranks, je lui ai dit je démissionne, vu que j'ai 2 blâmes, je préfère démissionner que de me faire virer. J'ai posé mon badge sur la table. Et c'est une erreur qu'il faut jamais faire ça au service. Parce qu'une fois que tu poses ton badge, ton insigne sur une table, c'est un acte de démission officiel. Et le capitaine en fait il a pas bien pris et il a pas d'autre choix que de me reprendre ma plaque en fait. Dès que je la pose, il a pas le droit de me la redonner. Et du coup en fait là normalement je dois attendre 3 mois avant de pouvoir reprendre mon service. Je dois refaire les formations, je dois repasser Rookie. Putain, je sais pas si elle y croit. Sauf que là, j'ai réussi à négocier à 1 mois, mais j'y retournerai pas. Vas-y, elle y croit pas. Mais frère. T'es sûr que. Elle y croit pas, frère. Ou alors, elle a été spoil à Sherpé. En fait, le problème, c'est que à chaque fois, Perales, c'est prank qui dure 5 minutes, 10 minutes max, tu vois. Là, ça a fait 2 heures. Et le pire, c'est que même les autres capitaines, ils m'ont dit on rigole pas avec ça. J'ai croisé Anna Clark, elle m'a dit on rigole pas avec ça. Ah. Oh. Tu parles à qui? Personne. Mais j'ai l'impression qu'en fait je suis en train de te dire que je me fais démissionner. Je viens de démissionner. Et toi, tout ce qui te préoccupe. Bah non, mais t'es sacrément con en fait. Pourquoi? Bah je sais pas, c'est pas un prank à faire. Je sais jamais. C'est quoi ça? Pourquoi y'a un moteur. Prends-je. Stop, t'as pété. Oh non, j'ai coma soif. Le prank qui pue sa mère en plus, frère. Je suis trop nul en prank, frère. En plus, coma soif. Putain. 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 Vas-y, j'en ai marre. Putain. Ouais, sans balèque, ça y est, frère. Santana. Oui, attends. C'est bon, c'est pas un prank. Enfin, c'est un prank. J'ai prank.
Quoi? De quoi t'es pas vraiment par terre là? Mais c'est un prank ou pas? Mais relève-toi si c'est pas un prank. Putain, t'es con. Putain, quelle fleur. Mais putain. Mes frères. Mais du coup, si c'est un prank, relève-toi. Hein, ah. Ouais, j'ai fait exprès ou quoi, ma gueule? Ah, mais c'est pas un prank du coup? Putain, t'es nul à chier. Bah non, frère, mais non. C'est juste que elle, je pense, elle a dû spoiler, elle a dû savoir charper. Bon, bah j'appelle quand même les médecins. Hein. Ah, je viens de comprendre! Mais oui, elle essaie. Du coup, elle doit faire semblant, c'est compliqué. Putain, j'ai appelé Dior. Elle doit dire oui à tout ce que tu dois lui faire. Ah ouais, c'est vrai, putain. Ça, c'est vrai, mon ref. Par contre, tu penses là, vu que j'ai comment un instant, je fais comment? Ils peuvent rentrer les EMS? J'avais zappé ça. Vas-y, du coup, les gars, on va préparer un paint rapidement, le tank du coma là. Rappelez-vous, hier en fait, on avait fait un pierre, feuille, ciseaux avec Santana et le perdant devait dire oui. En gros, c'était le 8 challenge. Le perdant devait dire oui. Attends, pendant. Je suis pas sûr. Tu parles du prank avec le capitaine? Conduire. En fait, c'est quoi la voiture qui fout le plus laine à conduire, les gars? C'est quoi la voiture qui fout plus laine à conduire? C'est la Blista, la Briozo ou l'autre? La Blista? Ah ouais. Conduire son caddie de golf hawaïen de merde toute la soirée. Ah, elle est là. Tout de suite au niveau de la douleur. Ok, et ensuite peut-être la petite dernière. Vous allez nous dire tout de suite ce que enregistrer une phrase. Ouais, très bien, je prépare directement ça. Enregistrer une phrase dans le tel. Et du coup, faut trouver la phrase. Trouver la phrase. Putain, un truc qui l'a fraîché. Un truc qui l'a fraîché, c'est quoi le truc? Le Kaji. Elle crée un Life Invader. A buto, frérot. Mais ça me fume, ça. Moi, ça fait RP en mode tu sors de l'hôpital, tu vois. Je te jure, ça me termine. En mode Yara, elle sort de l'hôpital en 2-2, tu vois. Casquette. Nike blanche. Elles sont mes Nike blanches, wesh. Vous les voyez, vous, pas? Ah, elles sont là. Ok, c'est parfait. Tac. Du coup, devait prendre une chaise. Prendre une chaise et se poser au milieu de la route. Ok, les gars, ça va commencer. Faut s'habiller. Ça va commencer, les gars, c'est parti. Fou la mort, ton style. Ok, Santana, on est du coup le 31-01-2021. Il est 21h25. À partir de maintenant, tu es dans l'obligation de dire oui à tous mes désirs. Laisse-moi conduire, décale-toi. Oui. Décale-toi. Mais je me suis décalé. Ouvre la caisse. Bon, va derrière. Oui. Santana, tu peux aller derrière, s'il te plaît? Oui. Merci. Santana, j'ai. En fait, là, tu vois, quand je suis tombé, je me suis un peu fait mal à l'épaule. Tu peux me faire un massage à l'épaule, s'il te plaît? Oui. Ok, sorti. Je suis pas ton esclave. S'il te plaît, j'ai une dignité, j'ai une fierté, je suis Santana Martinez. Ok, Santana, j'ai préparé une petite liste, d'accord, de 5-6 trucs. T'inquiète, c'est que des trucs cool. Pas des trucs en mode changer la couleur de la commoda, changer de coupe de cheveux, enlever tes lunettes, tu vois. Ça, j'ai respecté. Par contre, voilà, niveau, ça. Par contre, ça va être compliqué pour toi. Du coup, là, tu vas aller t'acheter une chaise, ok? On va au Conforama. M'acheter une chaise? Tu vas t'acheter une chaise, et la plus moche du truc, hein. Genre vraiment la chaise en plastique à 5$. Ouais, t'inquiète. Ok. Je fais une chicha avec? Non, c'est pas faire une chicha. Ok. T'inquiète. Robe d'abord, c'est... non? Gauche, demi-tour. Santana, je peux arrêter de parler, s'il te plaît?
Zatanna, tu peux te taire pendant 10 secondes là. Non mais tu dois dire oui. Non mais c'est le 8 challenge, t'as pas le droit de dire ou non ou... Oui, c'est j'ai oui. dit oui, j'ai dit oui. Ok. 1, 2, 3, roi du silence. Ah, ça fait du bien. Zatanna, est-ce que t'acceptes là de me donner 100$ si tu réponds pas dans les 2 secondes qui suivent, ça veut dire oui. Non, ok. Mais c'est bon. Vas-y, va acheter la chaise. Mais quelle invention de génie, le Wii Challenge, frère. Oh putain. Faudra le refaire, frère. Ah mince, Zatanna. Ah, la boulette. J'ai oublié de préciser la couleur de la robe. On est d'accord que toi, t'es quelqu'un de très féminin comme personne. Oui. Du coup, tu vas mettre la couleur rose. Hein? Tu vas mettre une robe rose, Zatanna. Attention le mot. Oui. J'ai une question. Est-ce que je peux mettre genre une jupe? Ouais, si tu veux. Mais en gros, il faut que ce soit une robe. Attends, okay. Mais une jupe, c'est faut une robe. Faut que ça fasse une robe. Oui, bah, tu sais, si je mets le... Mais fais gaffe si tu mets une jupe, parce que tu seras sûrement assise au milieu de... je t'ai dit pas l'assise. Fais gaffe avec la robe, quoi. T'inquiète. Oh non, me dis pas que c'est le truc que tu m'as dit hier. Allô? Ouais, le cous. Ouais, ça va ou quoi? Ça va, tranquille, et toi, le cous? Franchement, Pépère, sous Canada Goose, tu fais quoi là? Bah écoute, là j'ai été au PDP, j'ai parlé avec Perales, il m'a fait un de ses pranks, l'enflure. Oh ah oh, il m'a dit que j'étais viré et tout, j'étais dégoûté. Et toi, tu fais quoi? Ouais, tu rigoles, c'est le prankeur pranké, hein. Ouais, bah ouais, mais non, mais c'est lui le maître des pranks, hein. Il a été incroyable. Parce que Lindelof, il y croit par contre encore. Ouais, je sais, mais Lindelof, elle laisse le croire, s'il te plaît. Parce qu'il m'a appelé, il me dit, je t'ai pas dit, mais Kyle, il a posé sa plaque, ça y est. Et tu dis, mais comment ça? Lindelof, en fait, son truc, c'est qu'il est tellement con, tu vois. Tu peux lui dire, l'alien qu'il y avait au Feymore Shame, il bosse au LSPD, il va y croire. Il va dire, ah ouais, c'est quoi son matricule? Ouais, je suis sûr que vraiment. Genre, mais il m'appelle, il me dit ouais, il pourra revenir que dans un mois et on pourra plus travailler avec. Et il reviendra qu'en tant que rookie. Il est vraiment dans, il y croit quoi. Et du coup, tu m'as. Ouais, mais ouais, non, mais Gandalf, c'est logique. Et du coup, tu m'as appelé pourquoi là? C'est quoi? Tu m'as dit urgent. C'était quoi le truc urgent? Ah, ouais, urgent. Rejoins-moi la Sous House. Il y a mon AMGGT. Il faut que je te récupère à Sameton. On doit aller discuter. À quoi? Ouais. Je t'attends à Sous House. Sameton. Ouais, je dois te parler à Sameto, mais il faut c'est pas que Zatanna soit au courant. Ah, Sameto. Donc oui, il faut qu'on cherche un prétexte. Ok, tu sais quoi, je lui dis au pire, je convoque l'SPD à Zatanna. Ouais, mais il y a mon AMGGT chez toi, donc je t'attends. Ce qu'on fait au pire, tu m'attends au PDP, je vais chercher l'AMG en 12, et j'arrive, je te réponds. Mais tu sais que je viens de monter chez toi à pied là. Mais non. attends, au pire, parce que là, attends, vas-y, j'arrive. Et je t'attends sur le toit. Vas-y. Putain, Zatanna, on est dans une galère. Pourquoi? Zatanna Cruz, il est à la sauce. Ah, aussi, maintenant, il veut me parler pour ce qui s'est passé hier, tu vois. Sauf que je trouve ce qui aurait été incroyable, c'est que tu sois dans le coffre. Et après, tu sors et tu pètes un câble. Oh. vas-y, t'as fini ta robe ou pas? Mais presque. Attends, mais on avait dit robe, non? On avait pas dit jupe. Bah, ça y est, c'est la même. C'est une robe ça? Monsieur, c'est une robe ça? Mais c'est une jupe! Mais c'est, non, c'est rose! Non, c'est pas une robe ça! Mais c'est une jupe? Non, c'est un peignoir! Ah oui! De quoi? C'est un peignoir! Non, robe, Zatanna! Non, s'il te plaît! Mais je sais que t'aimes bien en plus toi les jupes, tout ça, je sais que ça te dérange pas plus que ça, alors que robe, je sais que tu détestes! Je sais que tu détestes! Non, je t'en supplie pas! Non, Zatanna! Zatanna, c'est le oui! Aujourd'hui c'est le 8 challenge. Reviens avant. Je te jure, tu mets ça. Je te jure, Zatanna, tu mets ça, t'as pas le droit de dire non. En rose, parfait. Achète. Je t'en supplie. Pas ça, je t'en supplie. Mais t'es sérieux? Oh, c'est ignoble. Oula, attends. Bah après j'ai déjà vu le clip trio hein, tu sais à un moment il y avait un plan où c'est que... Oui bon c'est bon. Vas-y enlève du coup, mets la robe.
Attends, attends. Je sais que je l'ai pas acheté du coup. Tu sais quoi, je suis pas méchant, en plus je te laisse les chaussures, tu mets pas les talons. Mais par contre la robe c'est non négociable. Attends, mais je mets ça pendant combien de temps? Parce que me dis pas je mets ça toute la soirée. Mais non, non, c'est juste pour un truc, c'est juste pour un truc justement. C'est-à-dire que là, là tu l'achètes et tout, tu la gardes. Là on va aller faire le truc avec Santa Cruz et après on continue. Et après on fait ce qu'on a à faire, toi et moi, ok? Ok. Juste vas-y, je vais pisser derrière là. Là, là, je pisse dans le magasin. Dans ouais, les oui, cabines. C'est bon, c'est bon. Je pisse dans les cabines. Ça me dégoûte. Eh, ça t'est déjà arrivé? Parce qu'en fait, moi, je t'explique, quand j'étais à Hawaï, il y a un moment, j'ai fait un stage dans un truc de magasin de vêtements. Ouais. Et les gens, quand ils changeaient, ils mettaient des trucs dégueulasses et tout derrière, tu vois. Mais par contre, il n'y a jamais personne qui a pissé dans les cabines. Personne fait ça, faut vraiment être chelou pour faire ça. Hein. Vas-y les rêves, vous la surveillez, ok? Quand elle triche pas, elle commence pas à contourner le truc. Vas-y, je reviens. Et pourquoi tu dois mettre une robe sinon? Parce que j'ai perdu un truc. Ah. Ah oui, mais pas celle-là. Putain, elle fout la mort la robe en plus. Vas-y, je suis vénère. Vas-y, hein, bon courage. Hein. Ah ouais, c'est ça. Putain, mais c'est quoi ça? Et t'as même pas le droit de choisir? Bah. Non. Tu peux pas négocier? Non. Ah ouais, à ce point? Je joue le jeu. Hein. Vas-y. Hein. Mais sache qu'elle est dégueulasse. Hein. Mais je sais. Oh. Oh. Quelle horreur. La honte. Quelle horreur. Ah, sa mère. Et t'as perdu en quoi? Un pierre fait qui... Ouais, re les refs. Ah du coup, vas-y, Santana, tu... Santana, vas-y, vas-y. Ouais, bon, vas-y. Go, go. Allez, bisous, hein. Attends, regarde. Attends, attends, attends. Santana, tu peux te mettre devant la commoda que je te prenne en photo, s'il te plaît? Oui. Regardez-moi. Oh là là. Oh, je suis mort. Oh putain! Oh c'est super drôle! Oh putain! Oui? Oh, oh putain, je suis mort! De ce que j'ai pu comprendre, le mec de là-bas il essaie de te draguer! Tu peux aller lui demander son numéro s'il te plaît, Santana? Oui! Salut! Tu peux avoir ton numéro s'il te plaît? Pourquoi? Comme ça! On se connaît pas? Ouais, mais t'es beau! Ah ouais? Oui. Non. Si. Non, non, vraiment pas, non. Si, t'es beau. Oui, mais non, je te donne pas. Tais-toi, beau gosse, va. Ouais, j'avoue, tais-toi, t'es trop beau. Hein. C'est bon, vas-y, viens, viens, Santana, c'est bon, c'est bon, laisse-moi tranquille. Oh putain, oh putain, tu m'as. Oh, tu viens de dire, tais-toi, t'es trop beau. Ok, vas-y, faut que j'aille voir Santa Cruz. Mets-toi dans le coffre. Coffre? Mais dans le coffre de quoi? Allô? Allô, le Cruz? Ouais, ouais, ouais. Attends, allô, j'ai muté, parle pas, Santana. Non, 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 il marche, mais tais-toi, tais-toi. Allô, ouais. Le mute, il marche? Non, non. Il marche ou pas? Non. Il marche pas? Non. Non. Allô, le Cruz? Ouais, le Cruz, ça va, le Cruz? Ça va quoi, ouais, tranquillement? Ça va, dis-moi. Ouais, excuse-moi, j'ai fait tomber mon téléphone, c'est pour ça que t'entendais rien, tu sais. Je sans faire trop, j'ai appuyé sur le bouton muté. Ah, t'entendais rien, tu sais. du coup, tu es où là, le Cruz? Là, je suis sur le toit de ta baraque, y'a Gandalf. Sur le toit de la Sauce House? Y'a Gandalf et tout? Oh, bah, parfait, parce que là, je suis avec Santana. Là, je suis avec Santana, au moins, on laissera Gandalf et Santana ensemble parler, tu vois. Et nous, on ira en discret, on prend la GTR. Vas-y, on quoi, j'appelle Gandalf, je lui dis qu'il vienne chez toi. Vas-y, vas-y. Rentre à la Sauce House, je vous ouvre. Rentrez. Vas-y. Yes! Tu peux me changer ou pas? Champion! Autorisation acceptée! Ok. Autorisation acceptée. Non, quoique. Quoique. S'il te plaît, je vais pas perdre ma crédibilité. Après, imagine, faut que je devienne dark et tout devant. Je peux pas. Non, s'il te plaît, mais s'il te plaît, regarde ma big game. C'est quoi? Non, vas-y, Santana, vas-y, change-toi. En vrai, de base, c'était juste pour un défi, tu vois. Tu me trouves comment? Je sais pas, je suis trop gentil. Une. Non, rien. À quelle heure? T'es obligé de la garder 30 minutes. Quoi? 30,
30 minutes. Mais tu viens de me dire que c'était autorisé. Ouais, je sais. Mais je suis trop gentil. Est-ce que toi, t'aurais été gentil avec moi comme ça? Non, mais... Tu sais, je vais pas te... Enfin, oui. Quoi? Oui, quoi? Oui, je serais gentil, oui. Mais attends, mais moi, je suis désolé, mais c'est pas des trucs méchants. Je te demande pas de changer la voiture de l'accommodage. Je te demande pas d'enlever tes lunettes. Et Kyle, là, je me sens... Je suis pas bien, elle a venu me dire, je suis trop pas bien, je mets jamais de robe, je sais pas ce que c'est une robe. Tu sais quoi, vas-y, juste pour le truc de Santa Cruz, si tu as le droit de l'enlever. Par contre, si t'es pas forte, tu dois le laisser. Écoute, hein, écoute, si pendant le truc de Santa Cruz, là, si on n'arrive pas ou quoi, tu dois garder la robe jusqu'à minuit, ok ou pas? Vas-y. Minuit, hein, oui ou non? Oui. Vas-y, carré. Attends, laisse-moi changer mes lunettes de ski. Vas-y, non, mais au moins pour la scène, c'est carré, tu vois. Au moins, elle est pas déstabilisée ou quoi. La montre. Avec le rôle inversé, tu aurais pris ta ref. Ouais, sûrement. Ça, la vérité. Rôle inversé, mon ref. La morale. Attends, mais ils ont sonné. Là, en fait, je t'explique. Là, j'ai demandé à Santa Cruz. Non. Ah, ouais, ils ont toujours pas sonné, c'est vrai. Mais non. Non, mais j'ai pas sonné. C'est ou quoi? Je sais pas, je suis seul. C'est vrai qu'ils ont pas sonné. Mais ouais. Et j'ai toujours pas vu Gandalf passer, hein. Ouais. Pose cette question, C'est quoi ça? Je nous ai mis une Apple Watch, là. Attends, tu remarques. Attends, mais toi, tu reçois... Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Non, attends, mais le seul truc que t'as remarqué. Attends, non, mais c'est quoi qui cloche là? C'est Santana pour voir là? C'est l'Apple Watch? Elle a mis une robe. Bah, déjà là. Ah, mais merci, quoi? Putain. Oh putain. Santana. Santana, nanana. Faster. Et Santana for la flic. Je te range ta caisse, Gandalf? Ouais. Ça va, Santana? Vas-y, nous, vraiment. Wow, fais gaffe. Ok, du coup, il faut qu'ils rentrent à la maison. On va attendre qu'ils rentrent tous. Ça mena, waka, ça mena, les masangalewa. It's time for Africa. Santana. On dirait pas, elle a 50 ans en vrai. On dirait la retraite. Là, elle va nous préparer. Ok, les gars, la faut être bon. Bon, vous voulez avoir la raison de pourquoi Santana est habillé comme ça ou pas? Oui, bah oui, je sais, j'imagine. Ah, en gros, je vous explique. On a fait le Wii Challenge, c'est-à-dire qu'on a fait un pierre-feuille-ciseau. Et là, pendant les prochaines 24 heures, enfin là, en gros, là, de toute la soirée, le perdant, il devait dire oui à tout ce que le gagnant lui demandait. Et moi, ben, ce que j'ai demandé à Santana, c'est de se mettre en robe déjà. Elle va rester comme ça toute la soirée? Non, en gros, c'est dès qu'elle aura fait un truc, après c'est bon. Mais j'hésite à la laisser toute la soirée, en vrai, j'hésite. C'est pas gentil. Parce que ça lui va vraiment bien quand même. Non, c'est vrai que c'est moi, je trouve bien. En fait, j'ai un contraste parfait, tu vois, avec le sac, la robe, tout ça, tu vois, c'est stylé. Du coup, ouais, vas-y, Gandalf, Santa Cruz. Je l'ai dit à Santana, je voulais pas dire à vous. Quoi? Asseyez-vous. Ouais. Bon, Santana, toi, tu sais déjà. Hein. Moi, je le sais, moi. Comme mon habitude, vous savez que j'ai du mal à m'asseoir, je m'allonge. Ouais, mais tu sais tous les détails? Allez, vas-y, Santana, vas-y, fais sur ta. Enfin, juste ce que tu m'as dit. Ben, en gros, je vais vous la faire court, mais je le prends pas mal, en fait. En fait, je le prends pas mal parce que moi, je t'explique, dans la vie, tout ce qui m'arrive, je le prends comme une force, tu vois. C'est-à-dire que là, de base, je devais me faire virer 3 mois du... Enfin, je devais attendre 3 mois au sein du LSPD. En fait, ça part de quoi? Ça part de j'ai voulu pranker le capitaine, tu vois. Comme à son habitude, il me fait des pranks, je lui fais des pranks, on rigole, tu vois. Tout se passe bien. Et là, le truc, tu vois. Attends, putain, le capitaine, il m'a envoyé un message. What? T'es vraiment viré? Ok, il m'a dit de repasser le voir, je sais pas. Bref, dans tous les cas, en gros. Message, moi, j'en ai rien actuellement. Fait. Non, mais Santana, fais rien. Arrête, Santana! Santana, arrête, fais rien. Tu l'appelles pas, tu fais rien. Je te fais confiance. Vas-y, du coup, en gros, moi, j'ai voulu faire semblant de démissionner. Je suis arrivé au bureau du capitaine, je pose ma plaque et tout, je lui dis je démissionne. Tu sais, c'était un prank. Et à la fin, je lui dis prankhead, parce que lui, à chaque fois, il me fait des pranks. Et là, c'est pas, il y a Anna Clark, Perales, ils me disent non, rigole pas avec ça. Dès qu'un officier déploie sa plaque, en fait, ça a une valeur de fou, tu vois. Tu vois ce que je veux dire?
En mode, c'est, c'est quelque chose d'important, tu vois. Et c'est-à-dire que si un officier dépasse sa plaque, on peut pas lui rendre, tu vois. Ah oui, c'est rédhibitoire, hein. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça, ça c'est ça. C'est connu, et moi, et moi comme un... Ben oui, mais moi, je savais pas. Moi, comme un con, en fait, j'ai déposé ma plaque. Attends, t'as vraiment fait cette blague-là, quand mais même. Mais oui, je suis trop con. Tu sais que t'es sacrément con, hein. Non, mais j'ai abusé, j'ai abusé. Mais en fait, je pensais qu'on pouvait rigoler tout avec le capitaine Perales, mais vas-y. Ouais, mais il y a rigolé. Ouais, là, mais c'est, vas-y, c'est en vrai. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Santa Cruz, il fait. C'est là où t'as été con, putain. Bref, excuse-moi, mais là. Y avait, tu l'as fait, il y avait que. Il y avait que Perales, c'est ça qui me dégoûte. Et comment elle a débarqué 11? Ben 11, elle a débarqué à la fin en fait, et elle a dit qu'est-ce qui s'est passé. Perales lui a raconté, oh. Et elle lui a et vas-y, les je pense qu'il aurait eu moyen de gérer si elle aurait pas été. De ouf. Je pense qu'il aurait pu dire reprendre. Ouais, je pense ouais, il aurait pu la reprendre, mais là. Mais là, s'il ouais, y a des témoins, débarqué, en fait, c'était plus rien faire. C'est foutu. C'est foutu. Du coup, ce que je me suis dit. Non, au contraire, en fait, moi, ce que je me suis dit, et Gandalf, dis-moi ce que t'en penses, Santa Cruz aussi. Soit, là, en gros, j'ai réussi à négocier au lieu de 3 mois, j'attends 1 mois. Soit j'attends un mois et je peux revenir au LSPD, mais du coup il m'a dit ça par contre c'est mort. Anna et Perales, il m'a dit t'es obligé de revenir en rookie. Tu reviens pas en Offi 2 et ça me met la haine. Ou soit je vais au LSSD. Même, tu vois. Soit je vais au LSSD. Ben le LSSD. Non, le LSSD en fait ça me plaît pas trop en vrai. J'ai la vérité. En fait d'un côté tu vois tu vas pouvoir patrouiller, tu vois. Tu vas voir ça, mais. Mais il y a que ça moi LSSD, j'ai l'impression. C'est pas bien en fait le LSSD. Ah, genre, en vrai de vrai, bien, hein. Ça aurait été moi, je te dis. J'aurais attendu un mois. Ouais. Tu vois, tu te prends un mois de congé, ça va pas te faire de mal. Ça va te faire réfléchir à tes pranks à la con un peu. Et dans un mois, tu retournes au SPG. Après, rookie, tu vas rester une semaine. Hein. Putain. Au fil 2, il y a moyen que ce soit rapide. En deux semaines, il passe. En deux semaines, mais tu dis n'importe quoi. Deux semaines. Jure, moi je ils vont me faire galérer. Moi, ils vont me faire... moi, ils vont me faire galérer. Ils vont me mettre 3 semaines rookie, 2 mois au fil 1, au fil 2. Non, je pense pas en vrai. Non, je pense pas qu'il. Après, jusqu'au fil 2, peut-être, allez, maximum un mois. Et après, là, ça reprendra son cours, tu vois, mais le métier restera Allô le même. Allô. Oui. Ok, j'arrive. Il y a quoi? Le capitaine, il m'a... En gros, là, je vous explique, je pense, Perales, il veut me reprendre, tu vois. Perales, il veut me reprendre. Mais je pense qu'il galère, en fait. Le pauvre, tu imagines la situation dans laquelle il est aussi? Ouais, il doit grave s'en vouloir. Là, ouais. Enfin, il a rien à sens, quoi, en vrai. Il a rien comme... Elle où l'anime téléphone, les gars? Elle où l'anime téléphone? Vas-y, va le voir. Non, mais en gros, il m'a dit, ah, rappelez-moi dans une minute. Bah, rappelle-le dans... C'est quoi le message qu'il t'a envoyé? Merde, j'ai appelé Santa Cruz. Bon. Putain, les gars, j'ai été mauvais, là. Ça, là, j'ai été mauvais. Ok, ok, vite. T'es où? T'es où, Santana? Je suis là. T'es où? Je te vois pas. Oh putain, viens. Ok. Comment je fais? Les gars, y'a pas une anime téléphone? Y'a pas une anime téléphone? Putain. J'ai capté. Non, Rodolphe. On est grande de l'île, c'est ce qu'il a fait. Oui. Ouais. Tire sur mon doigt, s'il te plaît. C'est pour te détendre, j'espère. Ouais. Vas-y. Pour évacuer cette putain de pression. Attends, tire plus fort, parce que là, tu tires pas très fort. Là. Prends que. Bade. Quoi? Prends quête. J'ai pas viré du LSPD. Mais non. Oh, j'ai tellement cru. En vrai, tu croyais à mort? La tête de Wam, j'y croyais de fou là. Quoi? Comment c'était passé par la tête de Wam? Je t'appelais pour De quoi? Comment c'était passé par la tête? De quoi? De faire un prank? Enfin, de base, c'est moi qui t'ai appelé, c'est pas toi qui m'as appelé. De quoi? Au début. Mais c'est véridique ce qui s'est passé avec le capitaine. Juste, y'avait pas Anna Clark, juste y'avait pas truc. Et le capitaine m'a pranké en fait. Il t'a pranké quand? Il y a tout à l'heure là, il y a même pas une heure quand je t'appelais. Et Santa Cruz il le savait? Ouais, Santa Cruz il le savait.
Il y a que toi qui ne savais pas. Je suis vraiment. Et le pire, c'est que toi, tu croyais, mais à 4000%. Ah, je te jure, j'y croyais de fou. J'ai appelé le capitaine et tout. J'essayais de négocier comme un débile. Je l'appelais, j'ai dit, ah, j'ai appris par la sentence, je voulais pas. Aïe aïe aïe. Oh, je te jure, j'y croyais de fou là. Au moins, on sait qu'en cas de galère, on peut compter sur lui, tu vois. Ouais, dans mes bras, Gandolf. Bisous. Ouais, vraiment bien. Ouais, ouais. Bisous, bisous. Du coup, Santa Cruz, tu voulais me parler de quoi, toi? Moi, c'est plutôt personnel. Ah! Bah, quoi, je sors. Que nous deux? Ouais, ouais. Bah, vas-y, viens, viens. Non, mais c'est pas grave, reste, Gondol. Je vais te sortir ta GTR. On prend la GTR ou on prend quoi? Ouais, là. Tu me l'avais demandé. Attends, vas-y. Vas-y, venez, venez. Santana, elle est où comme ça? Gandolf, il va avec. Ouais! Santana, tu vois ta commode actuelle en même temps, je peux la conduire? Oui. Ça me dérange pas. Plus ça me dérange. Oh, BBO event party ce soir, terrain de basket. Ah oui, à minuit il y a un truc, ouais, un forum, go y aller. Hein. Ah, barbecue, à minuit. Ouais, ouais, si, si. Ouais, si, tout si. Pareil. Chez, tout moi, pareil. Les barbecues, chez moi les barbecues c'est à 16h. Santana, tu peux descendre et t'habiller, mettre ta magnifique robe. Ouais. Santana, tu et peux nous dire. Aussi, si on lui demande un truc, elle nous dit oui. Non, ça marche pas, mais vous pouvez me. En fait, je vous explique. Santana, tu peux t'écarter. Ah, mais oui, je sais que je te demande à toi, ouais, en fait, si c'est qui... ouais, mais si c'est qui c'est qui demande, c'est nul en fait. En fait, j'ai mon listing. En fait, j'ai mon listing de trucs que j'ai déjà préparé. Tu te rappelles, Santana, de ça? Je te spoil pas plus en gros, mais dis-toi là sur mon listing, j'en ai fait qu'un pour le moment. Je suis la meilleure source de Kyle. Et ouais, et ouais. Eh ben, on va en refaire un autre aujourd'hui. Okay. T'es partante ou pas? Mais c'est tout. Bah non, mais là ça va être un truc gênant, ça va être un truc compromettant. Petit con. Ok, vas-y, grimpe. T'as ta chaise, tout est bon? Oui. Ok, parfait. Du coup, quelle est selon vous les sources l'allée la plus fréquentée de Los Santos? Bon, et tu sais quoi, vas-y, mets-toi là. Mets-toi entre les trucs, les lignes jaunes, et on met la voiture devant. Comme ça, y a pas de galère. Comme ça, les gens te voient, la voiture fluo. Tu te mets devant là, hop là. Pose ta chaise. Et moi je me décale, je vais faire la photo. Oh, il faut furieux, frère. Attends, juste décaler la voiture, je la mets derrière du coup. Je la mets derrière comme ça, t'es dans le bon sens. Ah, ok, parfait, nice. Vas-y, assieds-toi. Attends, hey, Gandalf, va décaler la commoda. Sans la commoda, ça va être plus drôle pour la fumée. Ah, sans la commoda, vas-y. Vas-y, assieds-toi, Santana, c'est parfait. Okay, quelqu'un peut mettre un timer? Ok, il est 22h16. Ouais, 22h16. Vas-y, à 22h20, 22h18, on ira la sortir de là. La pauvre. Vas-y, assieds-toi, Santana, assieds-toi. Hey, fallait pas perdre Wii Challenge. Assieds-toi, mais reste assis, je fais une photo. C'est bon là, c'est parfait, c'est parfait. Oh, ça me fume. Mais c'est dommage, y'a pas de circulation. Vas-y, c'est pas drôle. Ah oui, non. Vas-y, décale la commoda. Putain, j'attends juste qu'une voiture elle passe et elle va choquer, elle va s'arrêter. Elle va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais, ma cousine? Oh, qu'est-ce que tu fais, la couse? Ah, oh, je suis calé, fais bouse en plein milieu de l'autoroute. Gare la commoda, voilà. Mais non, mais te planque pas. Tu vois où le coup? Mais non, mais. On est pas, va gros, pas, là, va là, pas trop loin, faut qu'on lui parle. Longueur. Mais non, mais faut qu'on lui parle là, Santana. Non, on va pas là, on est trop loin, on fait notre. Je regarde à côté, tu vois. En boucané, oh. Oh, je sais ce que je vais faire. Non, non, mais gars, attends, vas-y, laisse le volant. Attends, y'a une caisse. Ah, vas-y. Regarde. Ouais, je sais, mais j'aime bien, je regarde. La route comme ça, ouais. Ouais, bah. Ah, Dudu me faire carton, si je l'aurais pas vu. Non, vous inquiétez pas. Y'a tout le monde qui s'arrête. Ouais. J'ai bien. Bonjour madame. Pourquoi vous êtes au milieu de la route? Je sais pas, j'aime bien regarder. T'as remarqué, y'a tout le monde qui s'arrête. Vous voyez une gonzesse en robe au milieu de la route, il s'arrête. Je te jure, s'arrêtez-moi, tout le monde m'aurait écrasé. Ah, c'est mieux que feu rouge en fait. Feu rouge. Oh non, dommage, on a raté le convoi derrière là. Imagine le convoi, il s'arrête, il te... Vas-y, attends encore 2 minutes, après on vient te chercher. Non mais reste là. Ouais, mais on va à côté nous. Vas-y, je mets la commoda là. Je regarde plus loin. Je mets la commoda ici, je la ferme, hop, et on va aller se poser là.
Oh, je suis mort, frère. Santana, crie bien fort hein, quand tu parles. Ça va, ça se passe bien, tu as faim, t'as soif? Non, ça va. Ok, ok. Attention, peut-être une voiture. Oh, ça arrive, ça arrive. Oh putain, fais gaffe. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ah, t'es mal, demi-tour. Ouais, il a fait son meilleur demi-tour. Salut, salut, ça va? Ouais, ouais, ça va, ça va. Ouais, ouais, c'est difficile. Oh, ça va accoster partout le Santa Chuma. Oh, ouais, j'aborde, j'aborde. La route. Je suis mort. Oh, il s'arrête. Merci. Bon, par contre, frère, vas-y, roulez, mon ref. T'es un coca vanille. T'es mort, même lui, fait demi-tour. Oh, le convoi. Oh, le convoi, je suis mort. Putain, c'est relou les gens qui restent. Hey, ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit quoi? Oh, c'est mal accident. C'est relou, oh, c'est relou les gens. Oh, oh, le convoi qui arrive. Oh, la sauce. Mais c'est, en fait, c'est chiant les gens qui restent trop longtemps. Fais, dis-leur de partir après, vite fait, comme ça, il y en a d'autres qui s'arrêtent. C'est bon, je peux partir. Non, attends, encore une petite minute. Une petite minute. Histoire qu'un convoi s'arrête, oh, tu vois. Il est dans la sauce. Ah, ouais, lui là-bas, il est dans la merde. Oh putain. Ah, ouais. Oh, c'est dans la sauce. Oh, 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 oh. Ah, faudrait peut-être appeler la police, hein, non? Il a sorti le fer. Ça va, ça va. Il a... Non, non, il a sorti un moteur. Ah, ça va. Il a sorti une clameur. Ah. Attendez que les familles passent à côté de Santana, ça va être trop drôle. Ouais, ouais, franchement. Je pense pas qu'il s'arrête, je pense pas. Tu penses pas qu'il s'arrête? Je pense pas. Ah, moi je pense qu'il s'arrête, moi. Vas-y, si dès qu'il y a les familles, après on y va, Santana. Oui. Vas-y, vas-y. Kyle, regarde tes textos en balle. Mes textos? Ouais. Ah non, ils viennent pas vers là. Ouais, tant pis. C'est bon? Ouais, mais c'est en fait, j'explique, Santa Cruz, des trucs qui font Lego et tout, tu vois, c'est. En mode, tu vois, c'est que des trucs soft, genre, que des trucs pas chiants. Vas-y, c'est bon, Santana, c'est ok. C'est good, tu peux remballer la chaise. On n'entend pas ce que celui dit, ouais, dommage, dommage, pas grave. Bref, du coup, on a quoi là, la liste? Ok, attendez que je regarde ma liste. Oh mais putain, le monde qu'il y avait. Je peux changer de tenue là? Oh, je suis deck. Mais t'avais dit 30. Vas-y, c'est bon, enlève la tenue, c'est bon. Tu vois, 128, tu l'aimes bien, Santana, on est d'accord, il y a une bonne entente entre vous deux. Oui. Tu vas prendre ton téléphone, là. Mmh. Tu vas lui envoyer, je te déteste. Okay. Et t'as pas le droit de justifier avant minuit, avant le lendemain. Ok. Tu lui envoies juste, je te déteste. Tu rêves, je... tu... rien d'autre. Tu... Elle doit pas lui répondre, du coup. Ouais, ouais, ouais. Plus le droit de lui répondre. Et tu m'envoies un screenshot de ton, de ton téléphone dès que c'est fait. Ou sinon, elle le met dans le truc en commun. Bah non, comment bah, il y a... c'est compliqué de faire un screenshot dans le truc en quoi. Ouais, ah ouais. Oh, ah ouais, sinon, bien sinon vu. Tu le mets dans le truc en commun, tu mets Caitlyn, je te déteste. Ouais, tu mets Caitlyn, je te déteste dans le groupe en commun. Et bon. Nous on fait choquer. Twitter, elle m'a répondu, elle m'a répondu. Ah merde, tu me fais un screenshot, tu téléphones, je vous dis ce qu'elle a répondu, et tu lui réponds pas avant minuit. Appel et message, hein. Je suis un monstre. Ok, du coup ça c'est fait. Par contre, vous entendez pas une musique depuis tout à l'heure? T'es clairement en train de te défouler là, je reconnais. Ah là, franchement, ça me fait du bien. Ouais, le catchy du golf, je te jure, j'avais trop le seum. Ok, ouais. Et le finish, le dernier. Avant d'enregistrer la phrase sur le téléphone, tu te rappelles, Scar? Ouais. Oh. Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas aller dans le répertoire de Scar et tu vas lui envoyer, je vais te dicter, tu me manques. Wow. Et tu fais envoyer et pas de réponse avant minuit aussi. Et ça sera, après on fera juste le petit truc à enregistrer compromettant et ça sera la fin du challenge oui pour aujourd'hui. Okay. Et je veux des screenshots aussi de conversation de 228 pour preuve et de Scar pour preuve. Oui. Bah voilà. Ok, vas-y, je vais voir. Tac, tac. Ok, les gars, bon, bah écoutez, je pense qu'on en sache, on a pas trop été trop. J'ai mal avec Scar. S'il me dit, ouais, toi aussi, tu me manques. Eh ben, justement, tu m'envoies. Justement, c'est ça qui est drôle. Ça finira sur TikTok, cette histoire. Je fais croire à mon ex que je l'aime encore. Il m'avoue ses sentiments. Fun. J'ai l'impression, le truc de Scar, tu l'as mal pris, Santana. Hein
Hein? 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 Eh ben, ok, du coup, tac. Tac. Non, je m'en fous. Tac. Ouais, de toute façon, c'est ton ex, c'est l'histoire passée. J'y suis, j'arrive, m'en veux pas, il m'a prévenu à la dernière minute, je suis désolé, promis dément, fais un truc entre nous. C'est pas quelque chose que je pense. Je sais que je t'aime fort en plus. Putain, ça c'est des vrais boys. J'avais hâte de ton retour, tu manques beaucoup. Moi, si je t'aime fort, tu manques beaucoup aussi. Ah, vous dites des vrais boys avec 128 ans hein. Putain. Y'a quoi, y'a quoi? Non, je peux pas dire, c'est intime. Mais si je déjeune, elle s'envoie des je t'aime et tout. Moi j'ai pas de réponse, j'ai juste je te déteste. Elle t'a répondu? Ouais, attends. Ah bah rescreen. Bon pire parle, moi je dis. Test bagnole. On dirait la voiture qu'il y a dans Batman. 100% c'est Valeska, voilà, bah oui. Ouais, okay, comme si ça pouvait être quelqu'un d'autre. Copier le lien, tac. C'est PDG du Darnel. Tac. Ouais, mais ça, je pense que c'est le mec qui a le plus de sous de Los Santos. Ah, mais je sais pas si c'est vraiment Scar, du coup. Ouais, je sais ouais, pas si c'est vraiment Scar, sûr. Peut-être qu'elle a contour. C'est sûr, ils vont pas que Santana, tu me clarifies que c'est Scar là. Mais oui, regarde, parce qu'en fait, profil. Bah, ça veut rien dire, on voit pas le nom, on voit rien. Parce qu'en fait, comme y a pas d'historique de messages, y a rien qui me montre que c'est Scar. Ouais, parce qu'il supprime ses conversations. Et alors? Bah, du coup, moi ça les supprime aussi. C'est pour ça qu'il y a pas d'historique. Ok. Ok, hey, Santana, c'est bon, j'ai une idée. Tu vas prendre tes AirPods, tu vois, tes tout nouveaux AirPods. Ok. Et tu nous vois mielleuse, tu vas dire, Kyle, t'es trop chou ou un truc mignon sur moi, ok. Comme ça, je le ressortirai à d'autres gondesses. Comme ça, elles vont croire que je pécho un max. Alors qu'en fait, c'est juste ma meilleure pote. Mais tu dis pas que c'est Santana. Bah ouais, je dis pas que c'est Santana. T'es sûr? Bah ouais. Vas-y, tu le fais maintenant. Je dis quoi? Attends, tu peux t'arrêter, Gandalf? Arrête-toi. Parce que faut que je filme Santana. Vas-y, descends. Santana, mets-toi côté passager. Gandalf, descends. Va derrière. Moteur. Va derrière. Vas-y, Santana, mets-toi côté passager. Non, c'était moi qui conduisais avant. Ouais, mais c'est pas grave, on change les rôles. Ok. Ok, vas-y, quand tu veux. Du coup, tu comptes dire quoi? Bah, je sais pas, tu m'as dit quoi? Kyle, c'est le plus mignon de Los Santos, un truc du genre, tu vois. Ok, avec ma voix quand je faisais avant là. Ouais. Non, mais... Avec ta voix mielleuse. Avec la voix mielleuse. Oui, comme ça. Ouais. Ouais, c'est très mielleuse. Non, mais nul. Mais les gars, j'ai rien d'autre, frère, j'ai pas d'idée, wesh. La vérité, j'ai pas d'idée, en fait, c'est compliqué. Ok, 3, 4, Attends, c'est quoi en fait? J'ai oublié. Oh, oh là là. Mais même moi, je trouve que c'est pas ouf en fait. Avant, c'était mieux, tu vois. Kyle, c'est le plus mignon c'est de Los compliqué. Santos. Kyle, ouais, tu dis Kyle, c'est le plus mignon de Los Santos. Avec une voix vraiment mielleuse ou une voix. Ouais, c'est comme je t'avais fait pour le premier enregistrement. Ouais. Voix mielleuse. Tu fais un mélange des deux. Mielleuse. Vas-y, comme tu veux, Santana. Je fais comme tu veux. Ok, juste fais-le. Ok. 3. 4. Kyle, c'est le plus mignon de Los Santos. Si ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au challenge TikTok. J'ai honte. J'ai trompé. Ok, ça sera. Ça va ressortir. Ça, je vais le ressortir à chaque fois que quelqu'un va me dire: ouais, t'es moche, t'es ci, t'es ça. Attention. Moi, je suis moche. Je suis la meilleure source de. Et là, ça va dire Kyle, c'est les plus mignons de Los Santos. J'avais plus. Ouais. Je suis en train de l'appeler. Adam 54. Salut 90. Ah putain. Je suis avec 54 et 53. Pas le soir, vas-y. Ouais. Et 137. T'as abordé de leur véhicule pendant que ça va tarder à y aller, ouais. Ça décroche. C'est où, c'est où, 35? C'est la dernière Buffalo, messieurs. Adam, 54, possible d'effectuer des 10-35 en arrivant bike-up en renfort. C'est la dernière Buffalo de leur convoi, messieurs. Ça va, Chris? Ouais. On reste ensemble. Hein. Observez. C'est d'avancer intelligemment. Et c'est d'avancer. Avancez doucement. Vas-y. T'inquiète, avance. Vas-y, descendez. Descendez maintenant, allumez. Viens. Approchez. Vas-y, viens. Ça va aller, les collègues? Vous êtes deux individus en fuite côté est, dans une propriété, en derrière eux.
Continue. Derrière. Faut que je le mette derrière la caisse. Juste en dessous, sur celui du 35. Jure, ça canarde dans. De 23, il part dans la ruelle sud de mon 10-35, juste en dessous, plein est. Pas de visuel de ce côté arrière. Il rentre dans une maison, l'autre est sur la route principale. Un autre est visé. Copie. L'autre est à partir d'une propriété plein sud, toujours. Je suis mort le jeu. L'individu est actuellement sur ce 10-35. Ça va, vous allez bien? Ça va, ouais. Rien de cassé, pas touché. Ouais. Non, c'est en dessous de la SD, hein. La vie continue, c'est à coup de courir. Neutraliser le deuxième, c'est bon. Affirmatif. Ah, ok, bon. 37, retour à 2. On a 12, informez-moi quand c'est clear au niveau des Shotfire. J'ai le Captain et Phoenix au sol actuellement devant moi. Copy clear, vous pouvez faire un 10-52. Putain. On a cherché 2 heures les bails. 480, Zapikman, venez sur le 10-35, je suis blessé aussi. Puis j'arrive. 2-0 et 3-0-7, on va se déployer sur le 10-35. Moi je suis aussi low, les gars, j'ai pas de balle. Puis 23, vous avez multiple individus blessés sur ce 10-35 que je vais vous faire. Il est pas pras ce truc. Petit, on est sur position. Aïe aïe aïe. Oh, putain, j'espère que je me tape pas 2 heures de pas. Toi, les unités en backup, hein, beaucoup d'agents blessés. Non. Madame 60, on se rend sur des individus blessés. Copy, merci voilà, à vous. Mettez-vous sur mon 10-35 qui est le plus au nord. Vous avez 2 agents au sol. On assiste les collègues. Et comme la dernière fois, une seule unité procède à l'appel du 10-52. Je vais gérer avec elle le déploiement des EMS. On se tient au courant dès que j'ai des nouvelles. Je peux pas un dodge de procédure, ouais bah ouais là j'ai tiré, du coup je dois faire un rapport, même si j'ai tiré une balle. Je vais dire ouais je suis arrivé en backup, tout le monde était déjà au sol, j'ai tiré une balle. Je sais pas vous mais j'ai clairement pris une balle dans le gilet moi. Sérieux? Moi j'ai rien. Non. Je me suis pris. Moi non, ni une balle dans le gilet ni rien du tout. Messieurs ça va aller, vous m'entendez? Restez avec nous messieurs, il y a l'équipe médicale qui va arriver. Restez avec nous messieurs, l'équipe médicale va arriver. Ouais, allez monsieur. tenez bon. On va lui faire un... pont de pression Santa Cruz, faut que tu m'aides. Parce qu'il a plusieurs balles. Qu'est-ce que t'as fait là? Là je me suis aidé. Allez messieurs, restez avec moi. Messieurs, restez avec moi. L'équipe médicale va arriver, je vais vous faire un garou. Fais-lui un plaid de compression. Appuie à l'endroit où il y a la balle. Un plaid de compression. Ok, je vais vous faire une plaid de compression. Non, pas un plaid de compétition. Un point de compression. Un point de compression, hein, Kyle. Ou sinon, je lui fais un garou. Non, ça va lui faire plus mal qu'autre chose. Ok, monsieur, je vais vous faire un point de compression. Tu veux me faire un garou? Non, pas un garou. Monsieur, économisez vos forces pour parler, pour survivre en fait. Ouais. Ok. Attention, je vais serrer le garou, le point de compression. Hop là. Voilà. Avec ça, tu devrais tenir bon. Monsieur, oh, je reviens le boss. Bon courage. Attends, j'ai essayé de faire les techniques radicales de ma grand-mère quand je faisais des malaises petits. Monsieur, c'est bon, on va sauver. Mais non, c'est blessés. Ta cruise là, il s'est pris des balles là, arrête. On arrive en backup, hein. En backup. On arrive en backup, du coup, bah en gros, on n'était pas du tout sur les lieux, tout ça, tu vois, du coup, voilà. Okay. Tu parles pour les procédures, tout ça, tu vois. Ouais, oui. Bah nous, ouais, voilà. En gros, on n'a pas fait grand chose non plus. Ouais, nous aussi. Le mec qui veut trop d'autres, frère. Du coup, vous avez SRU 307, on ne déplace pas les blessés, on attend les EMS qui vont mettre en place un centre de secours. J'attends des nouvelles, ça sera un sergent qui va nous être mis en relation. Phoenix ? Non. Vous voulez faire un point. Un point de compression. C'est en cours, vous en faites pas. Phoenix, tu restes avec moi, d'accord ? Oh, capitaine. Allez, Phoenix. N'hésitez pas si vous êtes pas blessé à faire le tour des villas, messieurs, cherchez d'autres blessés. Capitaine ? Capitaine, est-ce que vous m'entendez ? Capitaine 88, on est actuellement occupé d'un gars de cette fusillade. Reste avec moi, capitaine. C'est pas le moment de nous lâcher, capitaine. C'est pas morte. Ok, ok. Capitaine, bah, réveillez-vous, capitaine. Félix, si vous m'entendez, serrez la main là, Félix. Si vous m'entendez, serrez-moi la main, s'il vous plaît, capitaine. Elle me serre la main, le oh putain, yes. C'est mine. Non, ok, c'est bon. Elle me serre la main, ok, c'est good. Du coup, si son état est correct, mais par contre, elle prend ses sourcils quand même, serre la main. Si son état est correct, on va pouvoir la laisser là, stabiliser. Elle a des expressions de visage. On va aller voir s'il n'y a pas des blessés dans les villas, dans les ruelles. Ouais. Si vous m'entendez, serrez-moi là. Capitaine ? Pas ma tête. Capitaine, je suis là. Bah, allez voir Phoenix, il a l'air plus en arrangé que moi. Ok, j'y vais. Tenez-lui la main. Ça va serrer fort, d'accord. Capitaine, reste avec nous. Phoenix, pardon. On va essayer d'arrêter l'hémorragie comme on peut, d'accord. Voilà, il va arrêter l'hémorragie comme il peut.
Allez, allez, encore, s'il vous plaît. Encore. Encore. Reste allongé, reste allongé, Phoenix. Ah putain. T'es un de nos meilleurs éléments, Phoenix, pas toi, d'accord? Ok, je vais venir avec un plan dur, d'accord? On va vous immobiliser, je vais vous emmener aux ambulances, d'accord? Il va venir avec un plan. Un plan quoi? Ma voiture. Un plan U? Je vais juste faire percuter. Aïe, aïe. Ma voiture. Ah, tu t'es juste fait percuter, toi? Non, mais j'ai pris des balles, je me suis fait percuter par la voiture en même temps. Ah, merde, merde. Moi je suis arrivé en backup, hein, c'est pour ça niveau. Je suis vraiment arrivé, j'ai rien vu quoi. Je suis juste venu pour aider les blessés. Putain, mec, c'est quatre merdes quoi. Et en plus, j'étais pas en patrouille de base, hein, c'est pour ça le niveau procédure normalement. Ah, j'ai... Toc toc toc. Mec, il parle qu'il est procédure. Voilà, hein, c'est juste pour préciser que nous on était pas du tout sur l'opération. Et c'est pas hémorragie, hein, Anderson. C'est quoi? C'est pas quoi? C'est pas hémorragie. Hémorragie, ouais, c'est quand vous êtes pas bien, quoi, qu'on fait une hémorragie. C'est hémorragie. Hémorragie, ouais, hémorragie. Vous allez bien, capitaine? Ouais. Capitaine, sachez que j'étais là pour vous porter secours quand vous n'étiez pas bien. Ouais. Je vous ai pris la main, j'ai essayé de les voir. Et puis. C'est pour ça qu'il y avait des odeurs bizarres. Hein. Et puis, j'ai pu ressentir à quel point vous avez une main douce et que vous prenez soin de vous. Quoi. Sur ce, madame la capitaine, on va y aller à l'ambulance. Ouais. Allez. Vous avez été touché, capitaine? De Kevlar. Ah, Kevlar, mais... Ouais, non, mais je crois qu'ils vont prendre. Après, okay. Je me suis tombé parce qu'on m'a mis une. Dans les pommes, parce qu'on m'a mis une. Ah là. Ok, capitaine, je vois que vous avez du mal à trouver vos mots. Ce que vous allez faire, vous allez vous appuyer sur moi. Je vais vous porter. Ah, ça va. Ok. Stickman, venez. Ouais. Et lui, vous avez. C'est pas ça, mais vous allez tomber. Anderson, vous êtes trop frêle. Hein. Ah, ouais, et ça, c'est. Bah. Vous êtes trop frêle, hein. Oula. Attends, mais elle me déteste, la capitaine, c'est pas possible. Attends, mais là, c'est... Elle te termine tout le temps. Elle me déteste, sérieux. Elle veut même pas que je l'aide. Elle veut pas que je l'aide. Elle préfère mourir. Elle préfère mourir que de se faire sauver par moi. Kyle. Quoi? Ah, quand tu l'as touché, mais c'est sûr, après elle a mis du gel hydroalcoolique pour se désinfecter. Eh, tu sais quoi, BNF Max, je vais dire, j'ai essayé d'aider les trucs, mais je vois qu'on avait pas besoin de moi. Du coup, suite à cela, j'ai remballé les barrières et j'ai 10-10. Je suis rentré à la maison. Non, mais viens, on va au PDP, on n'est pas appelé, nous. De quoi? Je sais pas si on est appelé en vrai. Non, on n'est pas appelé, je pense, en vrai. Il y a cette unité sur place, non? Situation sous contrôle, non? Situation sous contrôle. Écoutez, les sous. On va faire ça discretos, on va remballer les barrières. On va s'approcher des caisses et on va aller. Ouais, bonjour, c'est bon, du coup, code 4. Est-ce que vous pourriez dégager la voiture qui est là, messieurs? On va dégager le Riata. Ok, ça marche, on s'en occupe. Celle-ci, la Buffalo. On va dégager les voitures, on va les mettre derrière. Viens, Gandalf, monte. Ouais, non, mais je dégage la Buffalo. Ouais, mets-la juste derrière, du coup. On la met en bas, ce véhicule, du coup, tout en bas là. Au moins qu'on escorte l'ambulance, non? Ah, tu penses? Ouais, au moins qu'on escorte l'ambulance, tu vois. Ouais, non, il y a assez d'unités, non? Eh, il faudrait voir directement avec eux. Normalement, oui, mais après, on va dire. Ouais, Anderson, il devient. Dites-moi, c'est bon, ça va être good là, code 4 ou pas? Il y a assez d'unités? Parce qu'on nous appelle sur un. Les blessés vont être évacués, je pense. Ok, ça marche, parfait. Pour le convoi avec les ambulances, c'est good aussi? Je pense que ça va être bon, il y a assez d'unités sur place. Parfait. Écoutez, nous on était juste arrivé en backup, situation sous contrôle, tant mieux. Stay safe, messieurs, faites attention à vous. Au revoir. Vous de même, bonne soirée. Qu'est-ce qui se passe? La tête de Wam, Kyle, quand c'est pour partir, il bégaye jamais. Il ne bégayera pas. Il ne bégayera pas. Ah là, je te jure, j'ai jamais vu Kyle parler autant. Ah, tu sais que quand tu vas avoir une. Quand tu vas avoir 106, ce soit aussi serein que ça. Ah ouais, non, mais. En fait, il faut que tout le temps que tu sois sur le moment de partir, tu vois, pour être bon. Il est au max de ses capacités. Ah, dis-toi, là, il a parlé, il a dit: bon, bah, s'il n'y a pas besoin, nous on va partir, bonne soirée, bon chip, t'es bon. Ah, bah, bah. Ah, il a pas parlé chinois, le coup, ça. Non, il a été bon, franchement. Bah oui. Non, bah écoute, il faut bien nous sortir de là, tu vois ce que je veux dire, mon sous. Vous allez bien? C'est plutôt vous qu'il faut poser la question, capitaine. Vous demander, capitaine. Oui, ça va, vous en faites pas. Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé, capitaine?
Il s'est passé que on faisait notre boulot, j'étais avec l'officier Else là. Il a l'air très fou. Et il y a un mec, enfin il y a une voiture qui est passée à toute balle devant nous, une Sultan. Hein. Et elle était au moins à 150 en ville, donc on l'a prise en chasse. Ils nous ont emmenés au niveau d'un petit parking, je sais plus où, dans un parking. Et là, il y avait, je sais pas, au moins 4 vannes et des véhicules qui nous ont en gros bloqués devant, derrière. Okay. Là, ils étaient au moins une quinzaine, 15-20, ils sont tous descendus, tous armés. Ils nous ont dit, voilà, vous descendez, vous montez dans le van, blablabla, et ils nous ont embarqués. Et puis, puis voilà, ils ont fait leur petit speech, voilà, ils ont ramené le Weasel News. Ils ont fait leur petite vidéo de revendication, et puis voilà. Et vous avez... ils vous ont pas fait de mal, quoi? Non, ils m'ont pas blessé. Et ils savaient que vous étiez capitaine? Non, ils savaient pas. Au début, ils savaient pas. Ah, ils l'ont su à la fin? Ils l'ont su, ouais, ils l'ont su, ouais. Et donc, à regarder le col? Ouais, c'est ça. C'était pas visé. Moi, je trouve ça terrible que... Ah, c'était pas visé... C'était pas le... Comment dire? Oui, mais ils ont quand même pris des policiers en otage. Oui, non, mais ils ont pris des agents, mais... Mais ils voulaient pas un capitaine, ils voulaient pas moi. Oui, mais je trouve quand même ça super grave, capitaine, je suis désolé. De cibler des policiers, c'est super grave. Ah bah bien sûr, oui. Oui, c'est très très grave, oui. C'est... Ils ont peur de rien, c'est... Ils se sont revendiqués comme étant la Salva Nation, je sais pas quoi... Ils ont parlé d'histoire avec les Marabunta. Enfin, de toute façon, vous verrez dans la vidéo qui va sortir. Okay. Je vous annonce qu'on les a tous attrapés, au moins. Tous. Ouais, quasiment tous. Ouais, tous, je pense pas, mais... 4. Ouais, ils étaient au moins 20, les deux lofons. Ah ouais. C'était combien? Ils étaient entre 15 et 20. Ah. On n'a pas tout le monde. En tout cas, capitaine, sachez que nous, on était à la Sous House en train de se détendre. Et quand on a pris que vous étiez pris en otage, on a tous foncé, tête baissée. On a pris notre service et on est venu sur l'opération directe. Et on est vraiment rassuré que vous soyez en vie, en tout cas, capitaine. Mais ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Comment vous avez su que j'avais été pris en otage? C'est 106 qui m'a envoyé un message. D'accord. Elle m'a dit, attendez, je vais vous lire. Elle m'a dit, t'es en service, on a besoin d'unité, je pense. Je lui ai dit, il se passe quoi? Elle m'a dit, ton papa spirituel en otage. Et moi, voilà quoi. Moi, mon daddy prend cœur, personne touche à mon capitaine. Du coup, tac, avec Santa Cruz, Lindelof, on a formé la dame puissante, le plus efficace du service de police, et on est venu à votre secours. D'accord, ok, bah voilà. Écoutez, ça me fait chaud au cœur, et merci à vous, Lindelof, Anderson, Santa Cruz. Voilà, capitaine, le message que nous on veut transmettre, c'est qu'on peut se faire confiance les uns les autres, capitaine. On n'est pas que seulement des agents du LSPD, on est une famille. Bien sûr, je vous l'ai déjà dit, Anderson, hein. Je vous le redirai s'il faut. Hein. Vous pouvez toujours compter sur moi si vous avez besoin de quoi que ce soit vous, Anderson, Santa Cruz, Lindelof, peu importe. Attendez, moi j'ai une question, je suis désolé, hein, c'est une discussion bien... Non, on est une famille. Bien, comment dire. C'est si, la famille. Code 99, ça a éteint le MDT. Mais pourquoi c'est tout le temps mon nom qui ressort en dernier? Comment ça? Quoi? Tout le temps quand vous dites, ouais, Nanani, Kyle, Santa Cruz et Lindelof. Mais là, c'est pas grave. Lindelof, Santa Cruz et Kyle. Mais j'ai terminé par... Mais non, j'ai terminé par Santa Cruz, là. Non, vous avez terminé par moi. C'est pas le moment. Ok. Lindelof, il est déjà pris en otage, une autre fois. Il vient d'être pris en otage, c'est pas écrit déjà. Il y a quoi dans ton cerveau? Moi, j'ai une idée, mais ça va pas lui plaire. Vas-y. Non, je vais me taire. Ouais. Non, ça va, c'est... Vous voyez, le singe, là, qui tape des cymbales, là. Ouais, c'est ça dans sa tête à lui. Ou encore mieux, vous savez, le cerveau là qui fait. Ouais. Et il claque des doigts. Ouais, et. Ah bah, c'est exactement ce qu'il y a dans sa tête, à ma droite là. Le bonhomme à ma droite. Aïe. Bon, non, en tout cas, ça fait. Non, on s'est beaucoup inquiété et. Voilà. Surtout qu'on est dans un contexte où les capitaines sont la cible maintenant. Avec ce qui s'est passé avec Milano, etc. C'est vrai qu'on a été un peu vraiment inquiets. On a eu peur. Alors, pas vous cacher que visiblement je serai encore la cible bientôt. Ils ont eu des demandes particulières et je sais très bien que je pourrais pas répondre à leurs demandes. Donc il va falloir qu'on redouble de prudence. Ok. Faites attention à vous. Faites attention à vous, capitaine. On va pas plus vous déranger. Vous en faites pas. Stay safe.
Stay safe, Captain. Oui, merci à vous encore d'avoir repris votre service. C'est normal, c'est avec normal. Avec plaisir, Captain. À bientôt. Stay safe. Prenez soin de vous, bon repos. Vous. Reposez-vous bien. Bisous. Santa Cruz. Tu vois ce que c'est? C'est celui que Sam il a niqué. Ouais.